C'est pas. Et bonsoir. 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 Et bienvenue pour cette deuxième rencontre thématique. Ce soir, donc, c'est pas un apéro littéraire. Mathieu et Nicolas ne sont pas avec moi. Je suis avec Julien. Enchanté. Et Quentin. Bonjour. Et ce soir, bonsoir Chadoniste. Et ce soir, bonsoir Ashtrun. On va parler de, enfin, on va aborder la question suivante. L'écrivain est-il un travailleur comme un autre? On va notamment aborder le rapport de l'écriture au travail, considérer sa pratique d'écriture comme un travail, éventuellement aussi la question de l'équilibre à trouver avec un travail qu'on va considérer comme étant plus alimentaire. La question de la reconnaissance sociale aussi, la place de l'écrivain aujourd'hui, quelle place lui donne-t-on? Et aussi, à partir de quand est-ce que l'on se considère en tant qu'écrivain? On a voulu prendre la température sur le forum des écrivains, il me semble. On vous a posé une question, on vous a demandé si vous considériez votre pratique d'écriture comme un travail. Et bonsoir Matt. Alors, vous avez été quand même 55% à répondre oui, sans hésiter. 15% oui, en général. 26% pas vraiment et 3% non. Donc vous êtes quand même une bonne partie à considérer votre pratique d'écriture comme un travail. Au niveau des retours un peu plus détaillés qu'on a eus, il y avait la question des projets d'écriture, c'est-à-dire que lorsqu'on va parler de nos projets d'écriture, nos écrits en cours, on va souvent dire bah, « voilà, moi je travaille sur ça, je bosse sur ça ». Donc finalement c'est un verbe, c'est un terme qui nous vient assez naturellement pour parler de ce qu'on est en train d'écrire. Ce qui est pas mal revenu aussi, c'est que bah, écrire, ça demande aussi une grande force de travail et ça peut être aussi une grande charge de travail, que ce soit la réflexion en amont, le premier jet, la réécriture, les corrections, qui peuvent se compter en mois, en années et même pour certains en décennies. Et puis, ce qui est revenu, c'est que oui, c'est un travail, mais c'est surtout ma feuille en tombe. Un artisanat, et c'est un peu aussi ce qu'on développe sur cette chaîne-là, c'est-à-dire que l'écriture, c'est aussi de la technique, c'est aussi des choses très concrètes à mettre en place pour que ça fonctionne. Et on a aussi le retour comme quoi, non, la pratique d'écriture en tant que telle n'était pas un travail. Ce qui allait faire d'elle en fait, un travail, c'était l'étape de la commercialisation. Sinon, sans ça, en fait, c'était un loisir. Voilà pour la température. je vais vous demander de vous présenter en quelques mots, notamment vis-à-vis de l'écriture. Mm-hmm. Quelle place occupe l'écriture aujourd'hui dans votre vie? Où est-ce que vous en êtes vis-à-vis de l'écriture, que ce soit des projets en cours ou des projets terminés ou des projets à venir? Et puis ensuite, on parlera un peu plus de rapport de l'écriture avec le travail. D'accord, donc voilà. Tu tournes vers moi, donc c'est, j'imagine que non, non, mais je... voilà. je me jette à l'eau, allez. Si donc voilà, bah, je m'appelle Julien, et du coup l'écriture occupe une place dans ma vie prépondérante pour des tas de raisons. La première, c'est que j'en vis parce que je suis auto-entrepreneur et que j'écris pour des blogs sur des sujets différents, que je n'ai pas spécialement choisi, hein, c'est vraiment des commandes, et je suis payé au mot, voilà, en règle générale. Sinon, c'est aussi une place prépondérante parce que ça a vraiment conditionné ma manière de faire mes choix de vie. C'est-à-dire que j'ai l'impression en fait, de sacrifier beaucoup de choses pour avoir un équilibre de vie qui me permette à terme de passer beaucoup plus de temps dans l'écriture. Donc par exemple, m'intéresser à certaines choses, déjà ne serait-ce que lire... le plus possible, c'est ce qui a conditionné mes études, par exemple. Donc, j'ai fait fac de lettres, c'était pour quelque part apprendre la littérature, apprendre ce que c'était. Là, par exemple, je vis en colocation et je fais un travail d'auto-entrepreneur pour choisir mon emploi du temps et pour avoir le moins de dépenses possible à faire pour pouvoir me dire, ok, là, si j'ai une inspiration ou si j'ai un projet, si j'ai un chapitre à terminer maintenant, je peux me permettre de passer une semaine à faire que ça. C'est devenu quelque chose, c'est plus important que, par exemple, de me marier ou quoi que ce soit. Voilà, c'est la priorité sur le très long terme. Voilà. Ok. Ouais.
Je sais pas si j'ai répondu complètement. Parce... Ouais, et ouais. Puis éventuellement, est-ce que. Ah, mes projets. C'est écrit, voilà. Ah, oui, donc, oui, bien sûr. Et donc, du bonsoir, coup, Eric. Je suis dans l'élaboration donc, d'un premier roman qui est un bon, voilà, qui est grave long. Mais bon, voilà, il a commencé à prendre forme, donc du coup, ça fait que j'y crois pas mal. Et, donc, et là, en fait, très récemment, il y a un autre projet qui m'est complètement mais apparu hyper soudainement. Et je me suis dit, bon, peut-être que ça a besoin de planter quelques graines, de passer un peu de temps dessus pour que ça soit là. Et donc voilà, ces derniers temps, les séances d'écriture ont été plutôt sur un deuxième projet aussi romanesque, mais qui n'a rien à voir. Et je crois que bah, ça me fait du bien, en fait. Ça donne un peu de renouveau et ça me donne pas du tout envie d'abandonner le premier. Ça me donne envie d'y retourner même d'autant plus vite. Voilà, j'ai l'impression que ça va créer une synergie, en fait, esthétique. Ouais, que ça crois. Va se nourrir. Ouais. C'est comme si, en fait, je déchargeais un petit peu le premier roman où j'ai envie de dire des tas de choses. Pour dire non, mais ça va être de l'autre côté. Donc donc j'ai l'impression voilà, de continuer à apprendre à m'organiser sur les projets esthétiques. Et dans quel genre du coup au niveau du... Genre, alors j'ai envie de dire classique, mais... Contemporain. Ouais, très, très, très contemporain. Okay. Si je peux donner des influences, moi j'adore Paul Auster, j'adore Albert Camus, j'adore... mais aussi un petit peu avant, Flaubert, Céline, au niveau du style. Mm. Voilà. Et sinon, et donc il y a un premier projet voilà, qui est assez, je dirais, Kafka aussi j'aime beaucoup, ouais. Qui est assez classique dans ses influences, et l'autre, son thème c'est les jeux vidéo, là qui vient d'arriver, et en fait j'essaie de jouer avec l'interface qu'est un livre, une page, et essayer de le mettre en relation avec les interfaces qu'on connaît des jeux vidéo, essayer de travailler ça, de faire une... Donc là c'est complètement expérimental, je me pose vraiment la question de si ça peut marcher. Donc c'est un essai, mais donc du coup là l'idée voilà ce serait beaucoup plus de m'orienter sur la question de la personne en face. Qu'est-ce qu'un lecteur? Est-ce qu'un lecteur est un joueur en fait? Est-ce qu'un joueur est un lecteur? Peut-être que est-ce qu'il y a des ponts à faire entre les deux? Là je vais explorer cette dimension là qui m'amuse beaucoup plus. C'est-à-dire qu'il y en a un où j'ai l'impression de m'exprimer vachement, et l'autre j'ai l'impression que ça va être beaucoup plus ludique, beaucoup plus c'est le principe, c'est le thème, mais où voilà je vais explorer autre chose. Pas le même rapport à l'écriture. J'ai l'impression que par exemple, du coup, le premier, j'ai envie que l'écriture soit parfaite. Tu vois, je vois très bien comme Flaubert en train de gueuler mes phrases, etc. Je les gueule pas, mais par contre, qu'est-ce que je réécris? C'est laborieux. Tandis que l'autre, j'ai juste l'impression de designer un texte. Et il faut que ça soit efficace, il faut que ça ait de l'impact. Et moi ça m'amuse en fait, je suis pas dans le même travail de sculpture là. Dans les deux, moi de ce que j'entends c'est qu'il y a un travail sur la forme qui est assez poussé, mais pas du tout dans la même visée en fait. Pas du tout, voilà c'est ça, exactement. Mmh. Ah ouais, la forme c'est quelque chose qui me... c'est ce que j'admire le plus en fait chez les auteurs et autrices. Et donc du coup c'est ce qui influence beaucoup mon écriture parce que j'ai l'impression qu'en fait... Peu importe l'intrigue, la façon dont on parle, ton verbe, c'est ce qui fait tout ton, en tout cas une grosse partie de la. Ouais, ça fait ta patte, ça fait ton style, ça fait. Ouais. Voilà. Grosse névrose. On en a tous. Tu peux me rappeler la question, s'il te plaît? Alors la question. Merci. C'était. Pose la question. C'est quoi, c'est Stéphanie de Monaco? Voilà, ouais, c'est ça. Quelle est la place de l'écriture aujourd'hui dans ta vie? D'accord. Quelle place tu lui donnes? Quels sont tes projets éventuellement en cours, projets finis? Ok. Voilà. Bon, alors moi déjà, je suis prof vacataire, c'est-à-dire que je fais des missions qui peuvent durer de 15 jours à quelques mois. Là, par exemple, la mission que je fais sur Toulouse, c'est à peu près sur... qui s'étale jusqu'au mois de mai. Donc, c'est à peu près 18 heures de cours. Et après, bah, évidemment, on a tout ce qui est préparation. Donc, ça fait, on les paye à peu près 35 heures. Donc, on bosse au moins allez, entre 35 et 40 par semaine, ce qui peut un peu laisser le temps. Et voilà. Après, la charge mentale, elle est aussi conséquente au niveau... on a le week-end, on doit travailler quand même, le matin aussi... Mais donc, j'essaie vraiment de bosser sur la journée à peu près, on va dire, entre 2 heures et demie par jour, juste pour, entre guillemets, pour moi. Donc, voilà, je...
je flirte entre ces deux boulots. Sinon, au niveau projet, c'est toujours la même chose. C'est l'urgence et la patience. Je reprends le truc de Jean-Philippe, tout ça, mais c'est juste au tout début, j'étais pas pressé, donc je prenais mon temps. Et après, bah, c'est vrai, voilà, j'ai réussi à publier un roman. Et là, c'était juste d'un coup, c'était, j'ai dit, ah bah voilà, j'ai trouvé quelqu'un, un éditeur, quelqu'un qui parlait, avec qui discutait. Et je veux dire, c'est un an après, bah, dans un an, par exemple, là, j'ai déjà un texte qui est presque fini, je vais pouvoir le faire éditer. En 3-4 ans, ça fera à peu près 3 bouquins, c'est génial. Et en fait, voilà, donc c'est vrai qu'après, moi, j'ai retravaillé, c'est un peu cet adage pour me dire, bah ouais, c'est cool d'être dans le travail, dans l'urgence, mais c'est aussi laisser savoir reposer le texte. Donc, bah, tu l'as travaillé, c'est très bien. J'ai fait le coup une fois avec le deuxième roman, ça n'a pas marché. Donc, du coup, bah, ça, vraiment, le but, c'est de le laisser travailler par à-coups. Je bosse sur un mois à fond, après, je laisse reposer pendant un mois et demi, et je le reprends à la suite. Donc, du coup, bah, des projets, ouais, c'est vrai il y en a pas mal en cours de route, quoi. Parce que l'urgence, c'est une urgence qui vient d'une contrainte extérieure ou c'est juste Non, pas toi, du tu t'es tout. Bah dit, non, voilà, parce que c'était OK. non, mais là, il n'y a plus aucune contrainte. Donc, Ouais. c'est cool, c'est génial. Mais c'est juste travailler pour soi. Mais après, il faut que le rendu soit cool. Non, non, c'est la contrainte, c'est celle à laquelle je me donne, là. C'est juste OK. avant les fêtes de Noël ou alors après les fêtes de Noël, bah, c'est terminer Ouais, tu te fixes un un texte, objectif. voilà, ou alors c'est reprendre un texte, de retrouver une nouvelle formule, un nouveau chapitrage et compagnie. Donc voilà. Non, c'est juste l'objectif, c'est pour moi, hein. C'est pas pour. Je dois rien à personne, Ok, ouais, heureusement. d'accord. Oui, mais quand on veut avancer sur un projet, la question des objectifs, on en a déjà un petit peu parlé dans d'autres lives, mais elle est, enfin, au bout d'un moment, elle devient quand même cruciale, quoi. Ah bah de toute façon, il faut toujours mettre des deadlines. Ouais. Moi je fonctionne surtout au niveau des vacances. Donc c'est-à-dire, je finis avant de partir en vacances, bah, surtout en été, où Ouais. là je pourrais vraiment pas prendre l'ordinateur si je vais marcher et compagnie. Donc c'est vraiment finir au niveau des vacances. Et après, c'est sûr que bah, au niveau travailler les premiers jets, c'est plutôt en hiver. Là où on est au coin du feu, Oui, exactement. ah, bah, Pareil. un truc sympa Mais quoi pour voilà. l'hiver. Mais c'est vrai que bah, après, comme je fais, bah, d'un côté j'enseigne, j'essaye de faire un peu le sport et compagnie. Il y a plusieurs choses aussi, donc entre la lecture, le cinéma, le sport ou bah, le travail, le boulot, c'est vrai que bah, mois de mai, mois de juin, quand les beaux jours arrivent, on est aussi dispo. Donc là, c'est plutôt une phase de réécriture. À partir du mois d'avril, c'est la réécriture. Est-ce que vous avez eu un moment justement particulier à partir duquel vous vous êtes dit, bah là, l'écriture commence à devenir franchement un travail, quoi. C'est plus simplement peut-être un petit passe-temps. Ou bien est-ce que Ah bah c'est c'est venu marrant, progressivement, tu vois, bah, en dans fait la manière d'aborder l'écriture et sa j'avais pratique surtout? d'ajouter une étape Ouais, intermédiaire en fait, vas-y. c'est-à-dire que tu as l'écriture qui bah t'as envie d'être un peu meilleur en fait, donc moi j'étais comme ça au lycée par exemple parce que simplement j'avais vu des personnes autour de moi qui écrivaient simplement mieux, qui avaient une élégance, qui avaient une patte quoi, et je m'étais dit putain c'est trop classe, je veux faire ça, enfin je veux apprendre à écrire mieux. Et il y a un moment où je crois que c'était à peu près ben justement au niveau de la fac où je me suis rendu compte que l'écriture ça allait plus loin que ça, qu'il y avait un projet personnel qui était derrière, une espèce d'accomplissement de soi, etc. Par contre, pour le considérer au même niveau que son travail, donc qui nous fait vivre, c'est-à-dire apprendre cette responsabilité-là, ben ça m'est arrivé après que tu m'as invité, en fait. Alors, Et et ça, c'est quand même assez fou. oui, parce que Enfin, du c'est coup, chouette, enfin, bah. c'est. Ça a fait son petit bout de chemin et en fait je l'ai matérialisé ça. Donc ce qu'on disait tout à l'heure en off, c'est que donc en tant qu'auto-entrepreneur, moi j'ai des missions qui viennent de plusieurs clients et en fait ces missions-là, avant de les facturer, je les mets sur une feuille Excel avec donc les dates de rendu, le nombre de mots, le prix que je vais le facturer. Quelle est la mission en tant que telle, enfin, tu vois, est-ce que c'est un article sur une télé Samsung ou je sais pas quoi. Et en fait, je me suis dit, tu fais ça tout le temps, pourquoi ne pas en fait utiliser cet outil qui te donne un peu des deadlines et aussi qui te donne la valeur de ton travail avec le nombre de mots, avec le temps que tu y as passé et du coup la valeur monétaire. Pourquoi en fait ne pas utiliser exactement le même outil sur le travail que tu passes en tant qu'écrivain en fait parce qu'en fait très souvent quand je me lève
quand j'ai pas ma routine qui est bien réglée parfaitement, bah je me dis, oh, est-ce que j'écris? Oh, mais là j'ai besoin d'argent, donc du coup je vais peut-être rédiger plus, je fais un peu cette différence comme ça. Et donc du coup je me dis, ah oh, mince, du coup. Et souvent l'argent l'emporte parce que je me dis, ah oh, c'est pas raisonnable là, tu vois. Non, quand même. Et que là, du coup, je me suis dit, bah, si je me facture, entre guillemets, avec du faux argent, argent fictif, ce que mon travail, mon effort de travail, donc c'est très méritocratique, mais je me hack le cerveau comme je peux. Si ça marche. Si ça, voilà. Et donc, du coup, voilà, je me dis, bah, à chaque fois que je fais un effort d'écriture, eh ben, je me rémunère avec du faux argent, mais qui est noté sur ma petite banque Google Sheet, là. Voilà. Et alors, du coup, ça a l'avantage de me donner beaucoup plus de légitimité à écrire en disant, bah ouais, en fait, je fais un effort parce que j'ai une compétence, je fais un effort parce que je peux y passer énormément de temps et parce que peut-être bah, je sais un peu écrire déjà parce que ça fait un moment que je travaille, donc ça fonctionne. Enfin, c'est la compétence, quoi. Mais sauf qu'en fait, le problème maintenant, c'est que j'ai plus de mal à bosser pour de l'argent en vrai, pour du vrai argent. Ah, ça c'est compliqué. Non mais dès qu'on commence à créer, je trouve qu'on a beaucoup plus de mal à juste bosser pour bosser. Oh purée. Enfin, Oh là là. oui. Je ressens le même truc. Donc, je préfère mon Ouais. argent virtuel, voilà. Et toi? Et la question qui était Est-ce que tu veux que l'écriture, je repose ma est-ce que question? c'est pas Ouais, désolé. La question, c'était oui, si tu as eu un moment à partir duquel tu t'es dit, bah là, je considère vraiment Ah l'écriture oui, comme un ouais. travail ou si c'est venu progressivement? Non, bah après, bon, au début, c'est juste une passion qui prend du temps. C'est tout qui peut, voilà. Mais après, non, bah, c'est juste au moment où j'ai commencé, où j'ai signé les contrats, ou alors un peu avant, où je me suis dit, voilà, où on commençait avec l'éditeur à retravailler le texte, ou alors du moins il me demandait un peu des changements, où je me dis, bah, il y a eu quand même une sorte de reconnaissance, entre guillemets, donc par quelqu'un, bah, par les écrivains, par un éditeur, et donc c'est cool. J'écrivais un peu pour, bah, j'écrivais pour moi, j'écrivais, je faisais un peu lire comme ça aux amis et à la famille. Mais du moment où je me suis dit, bah, voilà, je vais toucher mes 2000 balles d'avance sur recette, c'est cool. Là, c'était vraiment, bah, c'était de l'argent, moi, les taxes. Et là, c'est devenu un travail. Après, maintenant, bah, des fois, par exemple, je publie une nouvelle ou deux pour une revue, ce n'est pas rémunéré, c'est pas est-ce que je le prends pour un travail, je me dis, bah, voilà, ça fait de la visibilité, donc ça reste un travail quand même. Mais ensuite, au fur et à mesure, là, quand j'écris, ça fait 4 ans que j'ai publié mon roman, bon, je me dis que je recommence à devenir où c'est moins un travail, c'est plutôt Ok, une passion. d'accord. Après, j'en suis pas carrément revenu, hein, j'en suis pas encore là, fort heureusement. Mais voilà, c'est juste, je recommence un peu à écrire, pas pour publier ou pour être édité, mais c'est juste pour moi, quoi, me faire plaisir. Donc l'étape de la publication, elle a quand même été assez importante dans ce que tu dis par rapport au Bah fait oui. de reconnaître l'écriture. Ah oui, carrément. Bah, c'est une reconnaissance, après, on peut pas dire c'est une reconnaissance, on dire n'importe quelle personne qui écrit, je prends quelqu'un qui écrit dans la rue et qui veut dire, bah voilà, et on va lui poser la question, mais est-ce que tu étais publié? Si tu dis non, c'est autre chose. Après, bon, c'est très intéressant de parler compagnie, mais ça donne une certaine légitimité. Alors après, on pourra revenir quand on parlera des écrivains et des auteurs. Eh oui, Donc mais voilà, mais c'est juste justement, une légitimité, je veux dire, carrément. bah oui, c'est mon travail. Alors après, quand je dis j'enseigne, bah, je dis oui, j'enseigne et j'écris à côté, c'est juste un Double boulot, casquette. un boulot alimentaire, quoi, qui permet de vivre. Hein. Et aussi de communiquer, de rencontrer les gens, parce que c'est vrai que si j'étais seulement chez moi, H24, comme pendant le confinement et compagnie, ce serait vraiment pas non plus drôle, quoi, assez déprimant. Du coup, ouais, j'ai envie de rajouter juste un truc, mais enfin, justement à l'époque du Covid, il y a eu un moment où, je te disais aussi ça en off, où j'étais pas mal seul et au fait j'avais du temps parce que j'avais pas encore mon auto-entreprise et j'avais mon projet de roman qui était en cours et j'avais ma routine d'écriture. Et donc en fait, je me levais vraiment relativement tôt, 7h30, pour faire mes trucs et puis et j'y passais énormément de temps. Ce qui fait que je me suis senti assez légitime à me considérer comme écrivain aussi à cette époque-là en me disant, ok, mais en fait, Sans qu'il y ait l'étape de la publication. sans qu'il y ait l'état de. Ouais, parce que en gros, je me comportais comme tel. Tu vois? Par la place que tu lui donnais. Par la place que je lui Ouais. donnais, et puis que, en plus, et que j'étais content en fait. C'était absolument pas une contrainte, etc. C'était, oh là là, mais c'était un.
Enfin, désolé pour ceux qui ont très très mal vécu le confinement, il y a une partie de moi qui, dans le confinement, a passé des moments merveilleux dans sa bulle à se dire mon projet il prend forme, quoi. En fait. Et très spontanément, j'étais pas à me dire oh là là, bon bah t'as du temps, essaye et tout. Non, j'étais mais ravi de pouvoir avoir ça. Et tous les matins, j'étais fier en fait de prendre le stylo ou l'ordi, enfin, ça dépendait, mais. Oui, c'est vrai qu'il n'y avait pas d'écrivain. Il y a plein de personnes qui ont écrit pendant le confinement, qu'on découvrait aussi, Énorme. qu'on découvert l'écriture. Ouais, carrément. Ouais. Après, ouais, je sais pas, moi, pendant le confinement, qu'est-ce que c'était? Mais c'était plutôt. Bon, après, c'est mal tombé, je venais de terminer un texte. Donc là, c'était plutôt. Ouais, Où vais-je, que fais-je? Voilà, c'est. Mais bon. Dans quel état j'allais? Ouais, après, c'est vrai que après, c'était très rapide. Ou alors, on reprend, bah voilà, c'était plutôt de la réécriture, de reprendre un texte, et c'est très bien, c'était cool aussi. C'était très. Pas lucratif, mais très cool. Non, mais publier, ça veut dire surtout que t'es lisible, en fait, tout simplement, je pense. C'est déjà bien, c'est en ouais, tant que bah légitimité. C'est vrai que c'est une oui. reconnaissance. Non, mais après, oui, après, il y a être lisible, c'est toujours la même chose. C'est comme. C'est les maisons, alors soit c'est petite ou grande maison d'édition, mais dans une grande maison d'édition, bah c'est cool, mais t'es plutôt entre guillemets au fond du panier. Si tu rejoins, je sais pas, par exemple, Gallimard, on sait très bien que lequel distributeur, il publie à peu près 15-10 romans par sortie ou par voie peut-être, et t'arrives derrière, t'es pas. Alors t'es rémunéré, des fois, t'es rémunéré comment sur les avances, sur les avances, pas tant que ça, c'est moins de 2000 euros, je crois. Donc tout dépend aussi. Et après, on a beau dire, on a beau faire que ah, il y a une très belle critique et compagnie, bah, une bonne critique ne fait pas lire. Moi, j'avais rencontré un écrivain comme ça où le gars, il avait eu. Alors, il m'a expliqué que qu'il avait écrit une demi-page dans Le Monde. Alors, ce qui est déjà pas mal, une demi-page dans Le Monde. C'est que il allait voir Le Monde des livres et il disait, ouais, alors du coup, bah, t'as dû quand même en vendre un peu. Et là, le gars, il dit, bah non, j'en ai vendu 500, quoi. 500 exemplaires. Donc, même une critique, une reconnaissance, bah, même être publié, c'est pas non plus le gage qui rend la lecture. Ah non, 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 qui est, ou qui non, rend des c'est sûr. lecteurs, ouais. Mais c'est vrai que dans le process d'écrire, C'est une Bah c'est une ouais, c'est ça. reconnaissance, Ouais, ouais. c'est ça. Ouais, je suis trop pessimiste. C'est une petite certification, C'est une simplement, parce que moi, ça se certification, trouve, oui. là, j'en parle, là, je dis, ah, bah, je me comporte en tant qu'écrivain, et tout, mais ça se trouve, j'écris que du caca. Personne ne le sait, et quand je le fais lire à mes amis, bah, ça se trouve, voilà, ils sont en sueur, mais ils font des grands sourires, et Font des puis voilà, efforts. quoi. Et là, non, là, ça veut dire vraiment, ok, Ouais. bah, ça a une valeur marchande, en fait, et qui est reconnue, qui est. Ouais, et puis au-delà de la valeur marchande, moi je trouve que ça va aussi avec la posture de. On pourra en parler d'ailleurs après. La posture de l'écrivain qui est quand même très particulière. Enfin, t'es à la fois. C'est une activité quand même qui est profondément solitaire et en même temps profondément reliée, tu vois, à l'autre. Et du coup, je pense que dans chaque œuvre, il y a un désir, quoi, qu'elle soit lue. Et je pense que la publication en ça, au-delà de de ce qui est financier, ça permet quand même d'avoir une certaine reconnaissance, même une certaine, tu te dis, putain, ça va peut-être résonner, quoi, tu vois, chez Bah bien d'autres sûr. au-delà de mon Mais cercle. après, enfin, tu vois, j'ai envie de dire, puisque c'est la période en ce moment, partir de quand t'es joueur de foot, tu vois? Partir de quand t'es. Partir de quelle ligue? Ligue 2 ou en bas? Je connais pas bien les divisions, tu vois, mais est-ce que t'as besoin d'être Mbappé pour être. Ouais, carrément. Donc après, on peut toujours progresser. Alors ce qui est bien, c'est qu'avec ce job, là, je vois ça comme un job, moi, vraiment. Mais on peut progresser toute notre vie, c'est-à-dire que bon, bah, quand t'es sportif de niveau, au bout d'un moment, tu déclines et tout. Moi, j'espère être meilleur à 80 ans qu'aujourd'hui. Voilà, ce que je veux dire par là, c'est que t'as pas besoin d'être un certain niveau, enfin de faire rêver des millions de gens pour, j'irais, avoir cette légitimité-là, je pense. Et je dis ça d'autant plus que maintenant qu'on a des tas de médias, comme Twitch, comme YouTube, comme l'auto-édition ou n'importe quoi d'autre, les sites, n'importe quoi, et ben là en ce moment, ce que je regarde, c'est une chaîne qui s'appelle Pied Carré. Alors, je refais une pub, mais bon, et en fait, où ils On fait sont. de la pub pour Excel ici, donc t'inquiète.
Et donc en fait, c'est un coach d'une équipe de quoi? De moins de 15, je crois, ouais, moins de 15, qui situe à peu près à Lyon, etc. Et je m'éclate en fait devant leurs vidéos, presque plus que devant un match que tu verrais sur beIN Sports ou je sais pas quoi. Donc voilà, j'ai tendance à pas forcément hiérarchiser le succès, en fonction du succès, quoi. Parce que les gamins, ils travaillent, tu les vois à leur entraînement et tout machin. Bon, ils sont jeunes, mais du coup, tu te dis, bah, c'est sérieux ce qu'ils font, et en plus, ça donne des belles séquences. Et c'est déjà. Alors, oui, on peut le prendre comme quelque chose en germe seulement, mais je sais pas. Oui, mais il y a la passion qui est déjà là, et le, bah, ouais, et ouais. Le plaisir et puis de l'investissement, faire, et ouais. Et à Chadoniste qui nous dit que l'écriture l'a quasi sauvée pendant le confinement. Ben, moi aussi. Voilà. Moi aussi. Et Eric, s'ils te disent pas la vérité, c'est pas des amis. Ou des mauvais bêta lecteurs, nous dit Matt. J'ai pas d'amis. Mais oui, effectivement, Eric, on est en pleine coupe du Monde. C'est toi qui nous en parlais. Voilà. Ça suit les résultats par là. Ça suivait. Ouais. Et vu qu'on en parlait de ces termes auteur, écrivain, ouais. Vous vous reconnaissez plutôt dans lequel, vous? Moi, je me dirais là, on est auteur à un moment, mais là, comme je ne suis pas rémunéré, franchement, je dirais plutôt. Je me sens auteur, mais en train de retomber doucement comme écrivain. Voilà. Ouais. Okay. Donc, parce que tu dis retomber. Oui, auteur, parce que faut qu'il y ait quand même une rémunération et compagnie. Okay. Donc, un contrat d'édition, et voilà. Après, je me sens auteur quand j'envoie un manuscrit, ou il y a un an, j'envoyais un manuscrit, là, je me sens auteur aussi. Mmh. Donc, je me dis, je suis dans la démarche de l'envoyer. Dans une démarche professionnelle, ouais. Voilà, je cherche, et voilà. Après, c'est vrai que la posture d'auteur, elle est. Il y a une reconnaissance, il y a le fait du travail, compagnie, ouais. Mais seul d'écrivain aussi, c'est moins de pression. C'est cool, c'est juste pour moi, écrire. Alors, écrire, d'accord, dans l'optique peut-être de publier, mais c'est juste. Oui, parce que tu parlais de la démarche, justement. Ouais. Quand j'envoie mon manuscrit, là, je me sens. Là, c'est en auteur, ouais. Est-ce qu'elle n'est pas déjà présente, cette démarche? Non, je crois que non. Auteur, non. Non. Ah! Oh, c'est. Oui, non, non, je crois pas. Non, je pense pas. Bah. Et vous, je préfère dire, ouais. Je préfère dire écrivain. Je préfère dire écrivain et de dire, auteur quand il y a de l'argent, quand il y a un contrat et compagnie. Après, c'est sûr que lorsque j'envoie, je n'ai pas touché encore le contrat et compagnie, là, je peux me dire, j'ai entre là une démarche entre auteur et écrivain. Mm. Mais sinon, ensuite, on peut te dire, oui, je suis auteur parce que je pense à telle maison d'édition, parce que à telle ligne éditoriale et compagnie. Okay. Ou alors, tiens, j'ai eu un retour, je vais le retravailler parce que tu penses à telle maison d'édition. Mais en fin de compte, non, je vais écrire, il faut que ça reste. Alors, pas du plaisir, pas tout le temps du plaisir non plus, mais c'est juste un passe-temps qui peut donner de l'argent, ou une sorte de reconnaissance, la publication. Après, Donc, fondamentalement, tu es écrivain. Ouais. Et auteur, quand il y a une démarche un peu plus pro, tu es auteur. Oui, voilà. Ouais. Ouais. Y a Chadoniste qui nous dit, moi, c'est l'inverse, n'étant pas publié, je me sens auteur, mais pas écrivain. Est-ce que tu pourrais développer, du coup? C'est intéressant, là, on avait le. On n'a pas la même définition du coup des trucs, quoi, mais enfin, je saurais pas forcément en dire une. Ou alors. Quelle est ta définition de l'un et de l'autre? Je crois que je veux plus la dire sous forme de comment je l'expérimente. J'ai déjà été auteur, j'ai gagné un concours de nouvelles il y a longtemps, en deuxième année de fac. Donc j'avais mon nom inscrit sur un bouquin, donc une œuvre qui était terminée, donc on pouvait dire que j'en étais l'auteur. Voilà, c'est le terme qu'on va utiliser. On va pas dire j'en suis l'écrivain, on dit à ce moment-là, je suis auteur de ce petit truc, de cette petite nouvelle et tout. Bon, en revanche, je dirais que d'un côté, alors c'est pas hyper important pour moi en fait ce terme, enfin de l'être en tout cas, dans la mesure où en fait, puisqu'on disait tout à l'heure que l'important d'un bouquin c'est d'être lu, c'est d'arriver au lecteur, à partir du moment où il arrive au lecteur, toi en tant qu'auteur, t'es une écorce en fait, ton travail il est déjà fait depuis longtemps, donc pour moi, t'as rien à être, t'as rien à faire à partir de ce moment-là, à part peut-être quand t'as publié assez de trucs qui ont une notoriété assez importante,
où là, tu vas avoir des gens qui vont étudier les différents bouquins que tu as fait, tout, enfin, l'ensemble de ton œuvre, quoi, l'intertextualité. Et où là, oui, là, tu es un auteur parce que tu as développé un univers à travers tous tes. Et donc, il y a un nom là-dessus. Mais encore une fois, moi, si on vient me chercher, moi, j'ai l'impression que je vais être moins. Mon discours sur mes histoires, sur mes écrits, vont être moins riches que ce qu'on va pouvoir m'en dire, tu vois. Donc je trouve que c'est pas du tout important, tu vois, qu'on me donne un nom. C'est vraiment moi ce qui va m'inquiéter plus, et ce que tu disais tout à l'heure, c'est bon, qu'est-ce que j'écris après, qu'est-ce que je fais après, tu vois, ou alors est-ce que je me repose un petit peu et tout. Mais en fait, bon, c'est un statut qui finalement m'intéresse pas Oui, c'est tellement. le fait d'écrire plutôt que l'identité Ouais. qui va y être liée. Ouais. Qui peut être aussi enfermante aussi au bout d'un moment. Oui, et puis ouais, puis j'ai l'impression qu'on en fait des, t'es un peu des, on met ça un peu, je sais pas s'il a répondu du coup à la question. Matt nous dit dans mon esprit autrice car je crée des textes mais pas écrivaine car je n'en vis pas. Ah, Mais c'est ok. peut-être les définitions qui ne sont pas claires dans ma tête. Non mais bah, après c'est tout l'intérêt justement de l'échange, c'est de voir aussi ce qu'on met sous ces mots-là, et donc pour chadoniste c'est pareil. Voilà, du coup, pour moi, l'écrivain, c'est plutôt t'es dans le process, un peu comme tu disais tout à l'heure. Bon, et puis, auteur, c'est quand il y a un point final qui a été mis, il y a une reliure, et puis, pouf, ton nom est marqué quelque part. Et voilà, comme en tant que référence, si t'en fais d'autres, en fait, et c'est tout. Pour moi, c'est très pratique. Voilà, parce que finalement, être un auteur, il y a tellement d'auteurs différents qu'en fait, on voit bien que c'est pas, y a pas quelque chose à être pour. Oui, et heureusement. Ouais. Et heureusement. Clairement. Donc bon. Et est-ce que vous avez déjà envisagé le fait d'écrire, tu nous parlais de l'expérience du confinement par exemple, Ouais. mais d'écrire à plein temps, enfin de ne pas avoir une autre activité Comment on ferait rémunératrice. pour manger? Par exemple, la dernière fois, on avait une auteure avec nous qui elle est dans l'auto-édition. Ouais. Alors, je suis d'accord hein, sur cette question-là. Mais en essayant, tu vois, de mettre de côté la question matérielle, financière, qui est très importante et qui est très concrète, mais en la mettant de côté pour un temps et en se demandant juste, est-ce que le fait d'écrire et uniquement écrire comme travail, est-ce que c'est quelque chose qui me conviendrait, qui m'épanouirait? Je dis ça parce que parfois on a des activités, et peut-être que c'est le cas des vôtres, Ouais. qui viennent nourrir aussi, tu vois, notre pratique d'écriture, parce que... Bah, comme on le disait tout à l'heure, quoi, c'est que l'écrivain, c'est aussi celui qui observe le monde, qui est en Ouais. lien aussi avec le monde, avec... Non, moi je deviendrais fou, je crois. Tu viendrais fou? Ah ouais. Qu'écrire, qu'avoir sa journée pour. Non, faut. C'est ça le travail aussi qui est cool, c'est juste se dire, je sors, c'est de rencontrer des personnes, c'est de pas voir ça, c'est s'aérer, c'est y aller à pied, à vélo, s'entretenir. Je sais pas, le confinement c'était horrible, quoi. C'était. Non, c'est pas possible. Et c'est juste aussi une question de santé mentale, la santé physique, et après c'est de pouvoir aussi rencontrer les gens et d'avoir une sorte de sas, entre guillemets, de décompression, et de pas penser qu'à ce que. Parce que moi, si on me donne juste voilà, t'as toute la journée pour écrire, très bien, je me lève à 8h30, hop, j'écoute un peu la radio, je fume ma clope, je commence à bosser, à 1h j'arrête, je vais manger, je fume ma clope et je recommence, et ça peut être sur 15, 20, une dizaine d'heures. Après, à côté, le soir, je m'endormirais, patachon, et il n'y aurait rien eu d'autre, donc non. Et après, c'est ça aussi, c'est que lorsqu'on me demande, on me donne du temps, un petit peu de temps, si j'ai trop de temps, j'en use pas comme il le faut. Donc du coup, je prends mon temps. Tandis que si j'ai vraiment pas le temps, je sais pas, j'ai cours à 14h30 le lundi après-midi, allez, il faut que je décolle vers 1h30, je me dis, j'ai à peu près 2h, 2h30 le matin pour moi, pour écrire là-dessus, et donc c'est restreint, et je suis très content de l'avoir fait. C'est sûr que si je vais pas travailler en n'ayant pas écrit, ça craint un petit peu plus. Mais voilà. Et donc c'est un temps que tu essaies Ah, que me tu essaies de croyez, t'octroyer le ouais. matin Le matin, plutôt le matin, ou à la si je même. bosse l'après-midi, ouais. Comme je bosse souvent l'après-midi, c'est plutôt le matin. Mais voilà, d'avoir à peu près 2 heures, après de bosser aussi pour le collège, ou pour l'enseignement, et voilà. Mais non, c'est trop de temps, tout le temps, en fait, c'est un peu le concept. Ah ouais. Ce serait ça.
Du coup, moi j'ai un peu répondu à la question. Bah, je sais pas, tu voulais. Non, vas-y, ouais. vas-y, vas-y. J'ai un peu répondu à la question tout à l'heure avec le coup du Covid, mais du coup, j'ai envie de rebondir à pas mal de trucs que tu as dit. Mais ça y est, je me suis perdu. Alors, déjà, en fait, je me pose la question de qu'est-ce qu'on considère comme en fait, du processus de l'écriture? Parce que Très est-ce juste. que c'est juste gratter du papier? J'imagine que non. Et que, en fait, moi, dès que je vais voir un concert, dès que je vais voir des gens, j'ai l'impression d'être tellement ancré dans le moment présent que je glane énormément d'informations Ouais. sur ce qui m'aide à composer des dialogues, par exemple, ne serait-ce que ça, tu vois. Ouais. Donc, c'est vraiment l'histoire de, tu sais, que si tu as 8 heures pour abattre un arbre, t'en utilises 6 pour aiguiser ta hache, quoi. Et puis, Ouais. voilà. Donc, je dirais que ça m'empêcherait pas de vivre, du coup, en l'occurrence, parce que. Mais par contre, évidemment, la contrepartie, c'est que quand je vis quelque chose, j'ai une lecture active de ce que je fais. Finalement, quand j'écris, c'est qu'il y a un travail de lecture avant. Et puis que, bah, du coup, je mets en mots. Mais. Donc, ça. Du coup, bah, j'ai une amie qui m'a dit ça il n'y a pas très longtemps. Parfois, l'écriture. Enfin, donc c'était pas d'elle, mais elle m'a dit que la personne qui lui avait dit ça disait que l'écriture la préoccupait beaucoup, mais ne l'occupait pas beaucoup. Voilà. Donc, elle pense beaucoup à l'écriture comme ça, mais gratter du papier, vraiment, concrètement, c'est pas encore. Donc, je pense qu'on peut s'arranger avec cette idée-là, qu'on peut vivre quand même, parce que, enfin, même d'ailleurs que c'est nécessaire, comme tu disais tout à l'heure, pas seulement pour la santé mentale, mais aussi juste pour se nourrir et tout. D'ailleurs, c'est marrant parce que quand j'ai lu ton roman, et donc du coup, je me suis demandé quelles étaient toutes les informations, comment tu les avais obtenues et tout. J'ai vu que tu avais habité à Lille, etc. Donc, je me suis dit, il a quand même observé autour de lui, c'est pas juste de la documentation, des choses comme ça. Et enfin, je me suis imaginé, hein. Ouais, je te vois. Je vais voir la Je sais pas mer. Allez, posé vous m'arrêtez, c'est la. bon. Commencez là-haut. Oui. Mais ouais, enfin, je sais pas, je me suis vraiment posé la question de comment il a trouvé les éléments de son univers, est-ce que, quelle part d'invention, quelle part d'observation en amont, tous ces trucs-là. Et donc voilà, donc moi au contraire, oui, ça m'irait parfaitement bien, mais parce que voilà, j'aurais l'impression de justifier toutes mes actions pour ça, en me disant, bah voilà, c'est. Ouais. Ouais, il y aurait un truc un peu organique tendu vers l'écriture, quoi. Bah oui. Et ce qui n'empêcherait pas que je pense que je serais facilement capable de mettre 6 heures dans du grattage de papier tous les jours. Facile, hein. Franchement, c'est. Et après, bah, les fois où t'es fatigué, bon, bah, tu fais. Enfin, je sais pas, Autre t'es chose, ouais. flexible, Écrire quoi. 6 heures, ouais. Ouais, pendant combien de temps, quoi? Parce Pas pendant que. 3 mois, quoi. Un mois, c'est bien. Pendant 6 heures, quoi, juste faire le Oh non, truc. pendant 20 ans. Ouais, non, ouais. Ah, mais après, t'as trop de choses à retravailler aussi. Ouais. Trop d'idées après. Mais oui, c'est ça, en fait. Moi, je fantasme de vautrer dedans, en fait, dans l'écriture. Ça, c'est un. Ouais, bien Le sûr. vôtre. Ah ouais. Peut-être de dire, bon, allez. Mais bon, voilà, effectivement, la bulle, faut un peu en sortir aussi. Mais. Ouais, bah, faut. Bah, comme Faut la tout ce que j'ai nourrir, faut. dit avant, Ouais, mais ouais. ouais. Mais par contre, ouais, être vraiment. Tu sais, pouvoir se dire, ok, là, si je veux me coucher à 2 h du matin parce que ma phrase, elle n'est pas finie, et ben, tu vois, ça, c'est mon fantasme. Tu vois? Donc une certaine liberté aussi par rapport à ça. Ouais, en fait, ouais, c'est ça. Mais alors, évidemment, je pense qu'au bout d'un moment, tu te dis, bon, il est temps de synthétiser, de rationaliser un peu et tout. Mais ouais, on pourrait se demander, ouais, tiens, quelle est ma capacité de travail? Aller au bout du truc, tu vois, de se dire, tiens, que si vraiment j'ai 24 heures, comment je les organise et tout. Te poser l'expérience, je pense que c'est une bonne chose. Enfin, ouais. Ouais, mais l'espérance, ouais. Il y avait un écrivain qui avait parlé de ça, c'était Philippe Janeda, je crois, qui disait que. Alors, je sais plus quel âge il avait. Bon, il disait, voilà, il s'est mis juste chez lui, s'enfermer pour un an, sans sortir, sans rien, bah, sortir peut-être pour aller faire les courses, mais juste pour écrire. Ok. Et quel a été le résultat de l'expérience? Enfin, comment il l'a vécu? Bah, après, c'est Pas. un très bon écrivain, comment il a vécu. Bah, après, il est sorti et il a pu aussi. Alors, c'était pas un texte publié, mais c'était un début. Peut-être aussi une reconnaissance pour lui, pour son ego, quoi. Y a Matt qui nous dit, j'ai envisagé de le faire, puis j'ai regardé mon compte bancaire. Ouais, bah, il Bah faudrait oui, une banque, hein. nécessairement, clairement. Après, c'est vrai que c'est un mois, c'est un mois et demi, oui. Se dire, voilà, sur. Mais,
Moi, je sais que par exemple, j'ai une grande coupure l'été et c'est un mois où je pourrais travailler si je le voulais. Je ne travaille pas et c'est un temps alors qui est consacré à l'écriture, pas que, enfin, à la lecture et à la. Juste au fait de vivre en prenant le temps, en fait. Et comment c'est vrai que ça peut être intéressant de prendre ces périodes-là aussi quand on le peut pour tester aussi, voir comment, enfin, si c'est un rapport à l'écriture qui nous plaît, quoi, un rapport plein, dédié entièrement à ça. Et Chadonis nous dit que le job à temps partiel, pour lui, c'est le meilleur équilibre. Ouais, ça fait pas beau, ça fait ouais. Oui, genre, je sais pas, ça dépend ce qu'on appelle partiel au niveau du compte en banque. Mais après, ouais. Après, moi j'ai toujours eu l'impression de devoir faire très attention au niveau de l'argent. Donc je me suis toujours Ouais. fait très économe et compagnie, jamais de folie. Et après, donc du coup, je me dis, bah, si je peux prendre limite un an, même au niveau des trucs de Pôle emploi, des indemnités, je pourrais le prendre facile. Mais le problème, c'est qu'il y a toujours du boulot dans l'éducation nationale. T'as Il yeux. clash pas. Oui, mais je trouve que c'est vachement intéressant, ça. On avait un peu évoqué la question tout à l'heure, savoir en fait, c'est pas seulement ce que tu gagnes, mais aussi ce que tu consommes, du coup. Est-ce que, effectivement, une vie d'écrivain, là, si on cherche l'ermite, bah, en fait, tu dois pas consommer grand-chose. Non. Et si en plus, tu es un petit peu malin, que tu sais un peu comment bouffer, Ouais. comment faire te bouger, parce que je pense que s'il faut sortir, faut marcher, faut courir, faut un peu se réactiver le cerveau, peut-être croiser un peu des gens, mais aussi avoir sa routine, tu vois, se dire, bon, les jours où je suis pas en forme, quelle est l'activité minimum que je vais faire, par exemple? Je sais pas, Mathieu, il avait dit que c'était important de commencer par ne serait-ce que se relire, tu vois, et donc voilà, se donner des tâches possibles. Mais tous ces trucs-là, bah, en fait, c'est pas très coûteux. Et en fait, je me rends compte que on a cette chance-là d'avoir très peu de besoins. Et en fait, dès qu'on a un tout petit peu de, bon, enfin, je trouve, hein, que les gens qui sont un petit peu attirés par des choses où c'est avant tout leur capacité à faire des trucs qui va les amuser, que ce soit du sport, que ce soit des arts, que ce soit, enfin, tout ce truc-là, en fait, ils sont assez peu dépensiers, et dès qu'ils ont un peu d'argent, boum, ils savent plus quoi en foutre. Et donc, du coup, bah, voilà, ça dort, c'est un peu là, et en fait, bah, ça donne pas mal de possibilités. Alors après, c'est vrai qu'on a tendance à avoir peur que ça... Que ça tombe, quoi, qu'à un moment donné, un jour où tu as un peu moins travaillé, pouf, tu pisses dedans, On a ça peur de. pique un peu. Mais en fait, je crois qu'il faut l'accepter, ça, de se dire, mais en fait, ça va, tu es capable de Ouais, travailler, ça tu as eu l'information qu'avant, en va. fait, tu es capable d'amasser un peu. Donc, au pire, tu sais que tu vas pouvoir bosser à McDo ou j'en sais rien, tu vois, t'en es capable, il n'y a pas de problème. Et ça, ouais, il y a une peur avec ça, contre laquelle j'aimerais lutter le plus possible, tu vois, et faire cette différence d'ailleurs de plus en plus. Que là, tout à l'heure, on a parlé, puis tout à l'heure, on parle d'écriture, mais on parle pas de travail, par exemple, de qu'est-ce que c'est. Et moi, je me pose de plus en plus la question, par exemple, passionné le gars, tu vois. Je te disais aussi tout à l'heure en off que à un moment donné, j'avais fait une critique sur un aspirateur robot, mais alors. Qualité maximale, hein. La marque, s'il te 1 200 balles plaît. le machin, tu vois, vraiment, oh là là, c'est comme une voiture télécommandée, mais pour vieux, tu vois. Et qui aspire? Et qui aspire, et voilà, donc bon, bon, voilà, c'est la domotique, c'est beau, c'est tout, c'est branché à ton téléphone, etc. Donc j'ai fait mon article dessus, où bon, bah voilà, je te disais que je m'ennuyais un peu, bon, j'ai quand même un petit peu. Me suis amusé un tout petit peu quand même à dire des trucs, enfin je sais pas, à le formuler quoi, d'une certaine manière, pour que ça reste un divertissement. Et ensuite je l'ai revendu sur mon coin. Et le type qui me l'a pris, bah, je lui ai envoyé l'article pour qu'il ait la revue complète et puis qu'il se dise. Et il a adoré l'article. Et moi, ça m'a presque vexé. Parce que je me suis dit, mais en fait, cet article, je l'ai fait par-dessus la jambe, en fait. Enfin, je l'ai fait par-dessus la jambe. Quand je dis par-dessus la jambe, je suis toujours sérieux. Mais j'ai pas mis tous Oui, mes tout efforts de, tu vois, ouais. de verve avec ce que tu veux. Et donc là, j'étais là, je dis, en fait, tu veux pas lire en fait ma nouvelle ou mon premier chapitre de roman? Tu vas voir, c'est nul. Et donc, du coup, d'avoir un petit peu ce truc, mais pourquoi j'ai gagné de l'argent sur ça, qui est vraiment. Ce qui ne nourrit même pas, en fait, la personne. Ça l'a juste convaincu d'acheter un truc pas très utile.
Donc en fait, j'ai l'impression presque de l'avoir rendu l'inverse d'un service, tu vois. Je l'ai un peu poussé à la consommation. Alors qu'en fait, bah, quand tu écris, quand tu écris quelque chose de beau, quand tu écris quelque chose d'enrichissant, bah, tu rends service. Donc pour moi, la valeur du travail, elle n'est pas seulement dans la rémunération, elle est dans l'éthique en fait. Est-ce que tu rends service à quelqu'un quand tu fais ce que tu fais? Et donc vous qui enseignez, du coup, c'est plus évident parce qu'en fait, c'est au cœur de comment on construit une société, une civilisation. Moi, j'ai l'impression d'être dans la partie où C'est vrai, oui. on est dans la décadence totale en fait. On a de la thune, on sait pas quoi en foutre parce que enfin, et donc on le dépense dans du divertissement et absolument pas dans l'expérience. Après, toi, là, ton travail, c'est toujours aussi l'écriture. Bah, moi, même si j'enseigne les lettres modernes, c'est aussi plus. Mais il y a de l'échange. Il y a de l'échange avec. Voilà, je ne suis pas face à l'ordinateur, entre guillemets, pour écrire. D'où peut-être aussi le fait que on n'a pas peut-être la même définition aussi du travail. Ah, Moi, je pense ça, le fait que je travaille, le travail, c'est un boulot que j'aurais peut-être pas envie de faire toute ma vie, mais je m'y sens bien dedans. Ouais. Donc ça me permet, bah, je veux dire, bulle d'air, rencontrer des personnes, et voilà, et communiquer aussi juste au niveau bah, des goûts des élèves et compagnie, comment aussi on a un point de vue aussi sur la société, comment elle évolue. Ouais. Avec ça, tu as peut-être moins ça aussi, toi, quand tu travailles, quand tu dis, voilà, je travaille pour, j'écris les articles, Ah, parce que c'est de la commande c'est de la commande, aussi, oui. c'est ça? Bah, c'est-à-dire que d'un point de vue, je suis pas sûr de bien saisir la question, mais d'un point de vue artisanal, je trouve que ça me fait progresser, c'est un travail en soi, Ouais. donc il y a une vraie Mais compétence qui est mise contact en avec route. l'être humain, juste ça. Ah bah oui, bah Quel type d'être humain, toi? Bah, de toute façon, je pense que c'est aussi à ma responsabilité de rajouter du sens dans ce que je fais. C'est-à-dire, bah, par exemple, dans ce type d'article, je vais quand même expliquer à la fin, vous savez, ça va pas changer votre vie, c'est du luxe. Vous avez dépensé beaucoup d'argent pour. Bon, c'est amusant, quoi, mais je vais pas dire c'est révolutionnaire, tu vois, ça, jamais. Ouais. Tu vois, donc il y a une éthique quand même. Donc j'ai l'impression de peut-être essayer de ramener un peu des gens vers juste quelque chose de plus fun, parce que moi je trouve que c'est pas fun ça. Enfin, et c'est je me dis, mais en fait, ça se trouve, cette personne-là, sans le savoir, elle va préférer les mots que j'ai mis pour décrire le truc Que que vraiment l'aspirateur. l'utilisation, en fait. Ouais. Et donc, ça veut dire que cette personne, en fait, elle aime quoi? Elle aime la technologie? Enfin, la technologie. La technologie, hein, c'est pas forcément. Ou l'écriture. Enfin, la lecture, en tout cas. Ah. Donc, effectivement, donc ça veut dire que peut-être que dans mon travail, il y a un niveau artisanal assez élevé pour que pouvoir y mettre du sens. Après, Oui, parce que tu continues, toi, à travailler la forme, par exemple. bah oui, 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 bah oui. Parfois, je fais des petites blagounettes, je fais des, tu Au-delelà vois. du contenu pour lequel. Ah ouais, non, non, non. J'essaie de mettre de la personnalité. Bah d'ailleurs, en l'occurrence, c'est ce qui vend. Hein. C'est quand même il y a des. Et puis bon. C'est mieux quand tu as un peu d'esprit critique, quand tu n'es pas juste en train justement de quand je dis vendre, hein, c'est-à-dire qu'il fait lire l'article. Hein, oui, voilà, tu n'es pas juste en train d'être totalement laudatif sur le produit. Enfin, en tout cas, moi, parce que c'est pour un média indépendant, il y en a d'autres qui écrivent des fiches produits où c'est que. Donc, bon, bah, ils font comme ils peuvent. Hein. Mais ouais, c'est. Le sens que j'y mets, c'est à moi de le trouver, quoi. C'est pas tandis que l'enseignement, Ouais, le sens est de doué. base, c'est voilà, c'est un noyau de la civilisation. Il y a pas de débat là-dessus. Après, les conditions sont très difficiles, mais bon. Mais l'éthique, elle est là. L'éthique est là, ouais. Ouais, oui, t'as un sens de fait. Et donc voilà, je trouve que le travail, la question, c'est quoi finalement qu'on pose? Enfin, qu'est-ce que. Je sais pas, quelle est votre définition de ce que c'est le travail, en fait. Par rapport à une activité, par exemple. Il passe au journaliste. C'est lui qui pose la question, maintenant. Pardon, pardon. Mais non, mais c'est intéressant comme question. Le travail, qu'est-ce que c'est? Bah ouais, je sais pas. Non, bon. Bonne question. Ah. Ouais. Moi, je lui donne deux sens, en fait, au travail. Le premier sens, ça va être celui du travail, ouais, un peu alimentaire, du travail contrainte, du travail soumis voilà, aux besoins matériels, enfin, voilà quoi. Ce travail-là, qui est le travail de la plupart. Voilà. Et après, il y a le travail au sens d'effort, de rigueur et d'investissement que je vais mettre aussi dans ce qui fait sens pour moi.
Pour moi, oui, il a vraiment cette dualité-là, en fait. Déjà, le premier, ça ressemble plus à de l'esclavage. Et le deuxième, c'est plus bah, travail, voire une activité. Bah, en fait, le deuxième, ouais, c'est ça. C'est que le deuxième sens de travail, pour moi, c'est plutôt le sens. Plutôt que de travailler, c'est davantage le sens d'œuvrer. Ah. Ah oui. Ouais, tu gagnes ta vie, quoi. Œuvrer, enfin, mais non, justement, coup, non, ce ne serait pas le sens matériel, ce ne serait pas le travail au sens de contrainte, œuvrer au sens de travail, de tâche que je me suis donnée parce qu'elle fait sens. Artisan, oui. Voilà. Ok. Et la deuxième, ça serait plutôt, oui, voilà, comment, parce qu'il faut se nourrir, c'est gagner sa vie, c'est alimentaire. Il faut gagner sa croûte. Et bien justement, je trouve que là, je me demande si ce que certaines personnes, dont moi, font pour gagner leur croûte, notre société, est-ce qu'elle en a vraiment besoin, tu vois? Est-ce qu'elle a vraiment besoin que je fasse un... Et donc du coup, je me dis, mais c'est pas... est-ce que c'est un vrai travail? Parce que encore une fois, est-ce que je rends service à une personne pour de vrai? Ou est-ce que en fait, on n'est pas en train de s'enfoncer dans une espèce de spirale de consommation qui finalement n'aboutit qu'à de la pollution? Enfin, désolé, là, c'est mes idées qui ressortent un peu. Mais la réponse est un peu là quand même. Mais après, c'est un peu du journalisme, de t'enseigner quand même quelque chose, ou alors du coup, tu diffuses des idées. Bah du coup oui, c'est pas non plus, tu fais pas de la publicité ou il y a quand même des ce qu'on appelle des call to action, c'est-à-dire des boutons pour accéder quand même au site Amazon, tu vois, tu par exemple ce que je veux dire c'est un produit qui est pas révolutionnaire dans le sens où ça va pas vous être d'une méga utilité dans la vie, mais en fait les gens s'en foutent un peu, ils s'intéressent déjà en fait à un aspirateur robot. Ils sont déjà en train de le chercher. Ils sont déjà en train de faire un peu ce caprice là que je comprends, moi aussi j'ai mes petits caprices, tu vois, mais c'est pas des caprices, c'est 1000 balles. C'est plutôt 2000. Mais bah voilà, je sais pas, c'est donc du coup je me dis, bah c'est pas est-ce que un travail y a pas aussi le sens de, enfin, ou tel que je le conçois idéalement, rendre service mais au plus grand nombre en fait, le plus, voilà. Et sinon et d'ailleurs et aussi que ça soit enfin que j'ai cette sensation, comme tu disais, de vrai, c'est-à-dire d'être de me pousser dans mes retranchements, d'essayer d'aller plus loin, etc. Et là, en fait, j'ai envie d'en appeler à Alfred... Non, pas Alfred, Albert Jacquard. C'est une référence, je ne sais pas si on pourra la mettre derrière ou pas. Mais qui parlait, en fait, de la... Albert Jacquard, avec un T à la fin de Jacquard. Et il a une vidéo sur YouTube que je trouve assez édifiante sur... alors, du coup, je sais pas comment... On parle Albert Jacquard, c'est ça? Ouais, Albert Jacquard, je sais pas, faudrait mettre travail ou activité. Et je trouve qu'en fait, c'est une vidéo de 25 minutes. Et qui. Avec un T du coup, normalement. Oui. Ah bah c'est ça, l'avenir du travail. L'avenir du travail. Qui date de 1999. Et ouais, c'est une vidéo qui m'a donné énormément d'espoir. Parce qu'en fait, ce qu'il expliquait, en gros, hein, c'est qu'une civilisation, elle commence pas à partir du moment où les gens se mettent à travailler, mais où les gens se mettent à avoir du temps libre. Et où ce temps libre, ils l'utilisent pour faire des trucs où ils s'amusent. Et nous, malheureusement, j'ai l'impression qu'on est dans une civilisation où le temps libre qu'on a, on l'utilise pour travailler plus, pour consommer plus de trucs. Et en fait, on oublie d'avoir des savoir-faire pour nous, pour autre chose. Apprendre des trucs, justement, bouquiner et tout. Et donc, c'est là où, en l'occurrence, j'ai l'impression qu'en tant qu'écrivain, c'est aussi un travail, dans la mesure où ça peut pousser peut-être des gens qui vont lire le livre à se dire, ah bah tiens, mais en fait, est-ce que j'ai pas envie de faire des expériences par moi-même et pas juste du gros divertissement, tu vois. Bon bref, la référence en tout cas elle est bonne, vous pouvez y aller, enfin tu te régales pendant 25 minutes, je peux pas tout refaire, mais voilà, bon, je trouve que c'est important de se poser la question mais carrément de philosophie du travail, carrément. Et Matt qui nous dit ouais, c'est déprimant mais ça a l'air tellement vrai. Et ça l'est, je pense. Mais non, mais et est-ce que t'as eu t'as occupé d'autres postes, par exemple, en même temps que t'écrivais, qui nourrissaient ou non ta pratique de l'écriture ?
Ouais, bah déjà j'ai été surveillant pendant 6 ans, Ouais. AED, pion. Et donc bah ouais, bah là tu rencontres tellement de gens, puis la génération d'après, bah vous savez bien. Et moi je trouve que bah ça m'a déjà beaucoup forgé moi-même, je pense. Tu vois, parce que bah voilà, les enfants ils ont une intelligence qui te pousse dans tes contradictions, moi je trouve. Tu vois, enfin moi j'ai beaucoup évolué à leur contact. Et donc du coup bah en tant que personnalité, si j'ai évolué, ça a tout de suite influencé la plume, quoi. Par exemple, après, bah, je sais pas, j'ai bossé dans un bar, un pub. Donc pareil, ça donne bah, toute une imagerie, hein, de Clairement, ouais, personnages, clairement. voilà. Ça, c'était quand j'étais en deuxième année d'études. Qu'est-ce que j'ai été dans une bibliothèque où, aussi, moniteur, toi, la bibliothèque universitaire. Donc bah là c'était plus pour nourrir juste le fantasme du de voilà de d'être dans un monde de signes, de mots, tout De ça, l'être. de l'être, L'être. ouais, Ouais. être Facteur, non? facteur, j'ai pas été. C'est, tu fais une référence à Besancenot? Non, pas du tout. Non, Ah, non, non, non. Non, non, aux hommes de lettres. Hein. facteur, faut en vouloir. Quotidien Ouais. du facteur, pas facile. Bref. Non, bah, j'ai fait quelques autres métiers, mais enfin, quelques autres métiers, quelques autres jobs, mais je crois que c'est les plus importants, ceux qui m'ont plus marqué, quand même. Ouais. Ouais. J'ai bossé à McDo, bah, ça m'a fait chier, vraiment. Enfin, ça m'a rendu en colère, McDo, ouais. Ah ouais, parce qu'on jetait des trucs, là, compliqué. Hein. Enfin, on jetait. Tu vois, on produisait très vite des trucs de pas très, très bonne qualité. Et après, comme c'était pas, il y en avait souvent des invendables, bah, tu les jetais. Et là, pour moi, c'était presque fascinant de voir ce manque de logique. Dire, bah, tiens, c'est fou. Pourquoi on. C'est de la nourriture, normalement, il y a 1 minute c'était mangeable, maintenant c'est à la poubelle, tiens, comment on a fait ça, tu vois? Donc là, tu as tout de suite envie de réfléchir Oui, c'est ça, ce qui à peut une nourrir aussi des utopie. réflexions. Bah oui, ah oui, Et bah des oui. colères qui sont aussi bonnes Ouais. parfois quand t'écris, enfin des trucs qui t'animent, quoi. Bien sûr, ah bah voilà, c'est ça, moi ça m'a. C'est vrai que. Ouais, en fait, les jobs, ils te donnent aussi une vision politique de ton écriture, je dirais. Parce qu'en fait, c'est là où tu contribues à la société, justement, où tu te poses la question de ce que tu es en train de faire Mais pour. oui. Et donc, du coup, où tu vois tous les dysfonctionnements, et c'est là où enfin, là, tu as envie d'utiliser ta liberté d'écriture pour inventer, justement, pour proposer. D'ailleurs, paraît-il que de plus en plus, enfin, de plus en plus, il y a des. Tu sais, souvent, on associe par exemple la science-fiction à la dystopie, et alors je sais plus de quelle source j'ai ça, mais de plus en plus, des science-fictions qui sortent, mais pour parler d'utopie de nouveau. Et là, par contre, j'ai pas les refs, mais je trouve que c'est intéressant comme. Tu vois, essayer de. Allez, ça y est, on imagine vraiment les solutions et pas juste des alarmes, tu vois. Parce que l'alarme, c'est bon, on l'a. Elle est rouge cramoisie, Ouais, je n'en peux plus. tout le monde gueule. Tout le monde gueule, donc il n'y a pas de problème. Et toi, Quentin, au niveau du travail, donc bon, là, t'es prof, Ouais, mais bah moi, j'ai. Qu'est-ce que j'ai. qui ont pu nourrir ton écriture Bon, un ou... petit peu juste facteur. Ah, Ah, du t'étais coup! facteur, ouais! Ouais, sur mon Donc vélo. tu te levais à 5h30 et tu finissais à Prenais le bus. 14h30. Alors, 14h, ça c'était à la fin, parce qu'au début, quand t'allais tourner, tu peux C'est pas non 17, plus. hein. Ouais. Ouais, Et non, genre, tu pars de l'entrepôt pour faire ta tournée. Et les gens, ils arrivent. Bah, les postiers, là, qui sont pros, vraiment, ils arrivent. Non, facteur, mais ça c'était plutôt pendant l'été. Après, j'ai fait beaucoup de tout ce qui est colis de vacances, en tant qu'animateur, qui est leur direction. Et sinon, ouais, plutôt le drive alimentaire. Donc, je suis bon, bref, la marque des mousquetaires. Et sinon, chez l'aéronautique. Ça, c'était bien. Ok, Le boum. service. Oui, non, je nettoyais juste les avions. Je grattais juste les avions sur. Bah, les avions, en fait, ils arrivent, soit ils sont en train de les construire, donc il y a Ouais. l'hydrofuge pour éviter qu'ils prennent, qu'ils s'enflamment. Donc, Ouais. soit ils arrivaient, donc déjà c'était vendu d'occasion, donc il fallait tout enlever l'hydrofuge avec tout ce que les produits et compagnie. Et après, donc ils remettaient une couche d'hydrofuge, et si c'était mal fait, ils en devraient repasser derrière pour l'enlever et pour qu'ils fassent un truc béton, quoi. Parce qu'avec les A380 et compagnie, donc toutes les compagnies aériennes venaient pour vérifier si c'était bien fait. Donc le nettoyage industriel dans les avions. Au début, je croyais que j'allais ramasser les papiers à la fin de chaque vol, mais en fin de compte, on a mis un masque avec des cartouches,
les trucs, des casquettes, des bandes de sécurité, voilà, va gratter. Et ça, c'est fou. Ça, c'était génial. Ouais, c'était cool. Parce que c'est vrai que j'étais parti dans le truc, bah, c'était juste après le master de création littéraire. Et donc, je lui dis, bon, je savais que je pouvais enseigner, mais je me laissais un petit peu le temps de dire, voilà, tranquille, on va pas te lancer non plus dans le grand bain. Alors, pas de la vie professionnelle, mais bon, l'enseignement, je savais pas aussi. Un grand groupe et compagnie, c'était pas non plus comme des colonies de vacances. Et donc j'ai trouvé ce poste, ce truc-là pendant. J'ai fait ça pendant 4-5 mois. Mais ça m'a permis de juste dire voilà, il n'y avait pas de charge mentale. C'est arrivé là-bas à 14h30, 15h30, tu repartais vers minuit, ou alors il y en a qui faisaient la nuit, il y en a qui faisaient le matin et compagnie. Donc ça variait selon les équipes. Donc on rencontrait toujours de nouvelles personnes. Et moi je faisais mes heures, tac, je rentrais, j'écrivais à peu près, là, à l'époque. J'ai écrit le premier jet du roman, de mon roman, et je me dis, bah, c'est tout, je fais ça à la machine à écrire, ouais. Bah, au tout début, après, j'ai vraiment un peu modifié, en 2-3 mois, mais la structure était là. Et donc, je me dis, bah, là, 3 pages, 3 pages d'écriture par jour, après ou avant le boulot, quoi. C'est le truc. Mais c'était vachement. Et ça donnait. Il n'y avait aucune charge mentale. Après, je prends ça, c'était très vraiment, c'était un peu quand même parvenu, un peu comme les. Je sais plus comment on appelle ça. Les personnes qui avaient quand même fait des études et qui allaient dans les usines, les établis. Oui. Je crois que c'est ça, ouais. Les établis, donc l'établi qui va se confronter un peu au monde ouvrier. Moi, bon, après, je ne me considère pas comme un ouvrier. Moi, je pouvais avoir un boulot autre que ce boulot de merde-là. Et donc, bah, c'est vrai, je croisais des gens qui, bah, 24 décembre, ils devaient bosser parce qu'on leur a dit, voilà, tu viens bosser. Tandis que moi, bah, je disais non. De toute façon, je savais très bien qu'au mois de janvier ou février, je ne serais plus là, quoi. Du coup, j'ai une question, vraiment une parenthèse. C'est dans La Marée Haute, du coup, le tout début, tu parles un petit peu des gestes mécaniques des gens qui sont sur le pont. Mm. Est-ce que ça a un lien ou pas du tout avec cette expérience-là? Non, pas du tout. Ok. Non, parce que non, c'est plutôt les lectures et compagnie. Je lisais un peu beaucoup de bouquins de pêche et compagnie. D'accord. Non. Mais je rêve d'écrire sur Airbus. Ouais. Ouais. Ah ouais, ok. Bah au moins de publier, quoi. Parce que c'est déjà fait. Mais voilà, donc je travaille toujours ce texte là sur ces destinées un peu particulières où bah les gens ils se. Et pourtant il y en a, bah, je sais pas, c'était un gars, il venait, il était éboueur, l'autre qui faisait du BMX et compagnie. Donc c'est vraiment. Alors c'était pas chez Airbus, c'était un sous-traitant d'Airbus et compagnie, donc qui était payé pour faire ça, quoi. Et donc, c'est toujours des dessinés un peu des personnes qui viennent pendant 4 mois, et à un moment, bon, on ne le revoit plus. Ah ben non, il s'est fait. C'était sa période carence, en fait, il ne sera pas repris, donc bye bye, quoi. C'est un peu, et ouais. C'était pas mal, des belles rencontres. Et du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire autre chose? Parce que tu disais que ce rythme-là te convenait bien. Parce que j'ai dit, moi, j'ai commencé à peu près en novembre, j'ai fini en février, je vais écrire après, donc je fais mon premier jet, et après, je vais écrire en un mois. Donc, j'écris le livre, les 240 pages en un mois. Qui a pris à peu près 3-4 mois. Et donc voilà. Et c'est vrai qu'après, au mois de septembre, je ne l'ai pas fini, ou alors il restait quelques trucs, mais je me suis dit, bah, c'est pas ça que je voulais écrire, en fait. C'était vraiment le. Bah, au début, le patron marin-pêcheur, c'était lui le héros du livre. Ah, d'accord. Et le Manu, donc le jeune footballeur qui fait passer des migrants, c'était juste un gars à côté, quoi. Un personnage secondaire. Donc, ok. Du coup, alors, je suis plus en septembre, j'ai un peu aussi, j'ai cherché du boulot, là, et j'ai commencé à enseigner au mois de décembre, il me semble. Au mois de mai, ouais, au mois de mai. Et après, bah, en attendant un petit peu, voilà, et c'est que seulement en janvier où j'ai repris vraiment le roman de fond en comble, quoi. Mais oui, non, c'était pas. Je sais plus, c'était quelle ta question. La question, c'était en gros les sensations que tu donnes sur un travail un peu comme ça, avilissant. Ouais. Enfin, pas avilissant, mais j'en sais rien, mais en tout cas où t'es dans les gestes très mécaniques, etc. Où tu te dis. Et quelque part, un côté rassurant aussi de ça. Bah, après, moi, c'est dur, c'est le travail avec les mains, en fait, c'est ça aussi. Ce qui permet, c'est à Blagnac, ça faisait 20 km, 25 km à vélo tous les matins et tous les jours, donc ça faisait du sport, c'était pas non plus, c'était pas gratifiant comme travail, mais en même temps, c'était, mais il y avait de quoi penser, c'est comme quand tu fais les volants, tu es dans le truc, et tu, franchement, tu fais ton truc, on te dit, ah bah c'est ce que t'as fait, c'est pas très bien et tout, tu dis, bah oui, mais bon. On n'est pas payé non plus, bah on n'est pas payé, c'est vraiment un boulot de merde, donc du coup, et on sait très bien que derrière il y a des gens qui se poussent pour rentrer, qu'on n'est pas obligé, moi je ne me sentais pas obligé non plus, parce que j'avais toujours Pôle emploi et compagnie, donc j'étais pas obligé
systématiquement de travailler dans ça, et je pouvais faire autre chose aussi. D'ailleurs, bah, je pouvais enseigner. Donc, ouais. Je savais que c'était juste une sorte de l'huile, un petit caprice, entre guillemets, pour dire j'ai pas envie d'enseigner, ou je vais faire un truc un petit peu plus intellectuel, et j'ai envie de juste m'amuser un peu avec mes mains et compagnie, ou alors de faire quelque chose qui me laisse du temps, qui oui, me dégage voilà, du temps, charge sans mentale, pression, sans charge mentale. Ouais. Ouais. Parce que c'est vrai qu'on a souvent le profil de la personne qui écrit, et puis qui a fait des études de lettres, et qui du coup a un taf... Qui est plus ou moins dans ce secteur-là, je sais pas oui. Que ce soit voilà, journalisme, enseignement, recherche, mm-hmm. Alors qu'il y a d'autres profils d'écrivains qui vont avoir un travail plus manuel, plus physique. Enfin, je pense à comment il s'appelle l'ouvrier. Ça me reviendra peut-être. Quoi ? Non, c'est pas Linhart. Non, je crois pas. Ça s'appelle la Syrie, et c'est un gars qui avait écrit ça, qui est pas du tout du monde des lettres, ouais. Quoi, et qui a écrit ce bouquin-là qui se passe dans une Syrie, en fait, et qui, du coup, avait profondément nourri son écriture et son envie d'écrire. Le monde du travail, c'est génial, mais c'est vrai que... comme ça, moi je me dis, après c'est ça que je cherche. Par exemple, là on parlait de McDo, tu sais, il y avait les romans là chez Minuit de, je crois que c'est Claire Baglin, où elle parlait, comment ça s'appelle, En Salle, hein, chez Minuit. Donc il parlait voilà de tout ce côté McDo. Après dans les grandes surfaces, comment ça se passe, le point de vue du vigile et tout, et à chaque métier, t'as le livre avec plus ou moins de réussite ou de qualité littéraire. Mm-hmm. Mais c'est vrai. Et après, c'est vrai que le travail, ça fait le gagner de sa vie, ça prend tellement de place aussi de nos jours dans la vie des gens que on peut pas passer à côté. Ne pas écrire sur le travail, ne pas écrire un roman ne pas écrire un roman où il n'y a pas question de travail, pour moi, c'est pas possible. Mmh. C'est pas possible. Ouais. Ah, c'est drôle parce que c'est fou parce que je me suis déjà dit plusieurs fois en lisant des romans, des histoires. Mais en fait, ces personnes-là, je veux dire, à part, elles font quoi pour gagner leur vie ? Elles font quoi pour bouffer ? Ça me l'a fait pas mal avec pareil. Alors, dernier bouquin où ça m'a fait ça, alors désolé, ça fait un peu pompeux, mais c'était Sodome et Gomorre de Proust. Mais on sait, en fait, c'est juste des riches. Mais, et puis, de toute façon, si, il y a quand même des médecins, mais le personnage principal, je crois, on sait jamais ce qu'il fait. Hein. Bon, après, il y a des trucs, c'est sûrement des éléments qui m'ont échappé, hein, faudrait pas me... Mais je crois qu'il y a vraiment ce côté-là, de grande oisiveté. Littérature des sentiments. Vraiment, nous entendons mal. Ah. Le volume est trop bas, c'est ça ? Je rapproche un peu l'ordi. Bon, on va essayer de donner de la voix pour la dernière... Parce que la jauge, elle est verte, là, non ? La jauge, elle est verte ! Shadowniste, t'entends bien. Bon, on parlera, voilà. Clairement, et à voix haute. Moi, ça me fait ça avec... on dévie un peu, mais bon. Avec certains films français. J'ai l'impression que c'est toujours le même monde, le même microcosme. Ouais. Effectivement, la question du travail n'est pas présente. T'as l'impression d'arriver dans un univers où... Ça parle de sentiments et compagnie. Donc, c'est un peu mais souvent dans le même... Tu vois, univers de parisien, petit cercle, on te dit, mais putain, il y a beaucoup d'autres réalités, quoi. Ce sont des gens qui souffrent. Je n'entends pas. C'est juste, moi, je trouvais ça intéressant. Au début, des fois, quand j'ai commencé à écrire, c'est des gens qui n'avaient pas de problème, c'est juste des problèmes de cœur. Un peu comme les films de François Truffaut où tout va bien pour eux, mais en fait non, ils sont malheureux parce que les sentiments, c'est pas une question d'argent, c'est pas une question de drame familial, c'est juste une question mais Truffaut, je trouve qu'il y a quand même un contact avec le réel, enfin je sais pas, dans la façon dont c'est filmé, dans sa nez, enfin tu vois la société, tu vois les gens, tu vois la vie, c'est pas resserré, tu vois, dans un entre-soi, un microcosme à la Emmanuel Mouret, oui. Bref. Non, en tout cas, je suis d'accord avec l'idée que, par exemple, dans mon premier roman, là, j'ai l'impression de l'avoir déjà publié. Alors là, tu vas le reprendre. De toute façon, il est vraiment en cours et tout, mais je me sens de plus en plus légitime à parler de ça. Tu sais, souvent des projets, machin. J'ai vraiment envie de donner le nom, tu vois, d'assumer le truc. On lâche le mot. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais on lâche pas le titre. Ça reste, parce que ça reste à l'état de projet.
Mais ouais, le travail, c'est effectivement, je suis d'accord, c'est central dans la caractérisation de mes personnages, hein. C'est sûr. Parce que on a tous parlé des formations professionnelles, pour moi, je trouve que c'est ouais, ça change vraiment notre vision sur les choses et tout. Donc pour créer un personnage, moi, j'ai du mal à me dire, enfin, à pas penser à son activité pour. Alors sans chercher à tomber dans les stéréotypes, justement, ça peut être intéressant de jouer avec. Clairement. Mais ouais, c'est d'ailleurs ouais, ce qui peut permettre de créer des tensions en plus. Non, vraiment, il y a vraiment à boire à manger là-dedans. Mais la difficulté, par contre, c'est que bah, faut se renseigner, quoi. Faut se documenter, faut aller voir, faut. Et c'est là où on en revient un petit peu à la question de tout à l'heure. Ouais, se mettre dans sa bulle, d'accord, mais il faut qu'avant, t'es quand même. Tu sois allé voir des trucs, quoi. Ouais, ou tu documentes. Ou que tu documentes, Tu évidemment, documentes. Il y a Ashtrune qui nous dit je pense pas que ce soit une question de problème, mais de milieu dans lequel vivent les gens, je crois. Et Protox bat rétorque, je ne suis pas d'accord avec toi, tu peux venir de tout milieu et aimer lire ou écrire. Question de problème, qu'est-ce que tu entends par là? Je ne pense pas que ce soit une question de problème. Ah si, mais c'est parce qu'on parlait de souffrance. Tu vois, les gens qui n'ont pas de problème et tout, ils n'ont que des problèmes Ah oui, pas affectifs, d'accord. d'ordre Ah affectif. oui. Je crois que il faisait référence à ça. Ou elle, du coup, je suis perdu. Mais ouais, mais ouais, parce que dans n'importe quel milieu, je pense que tu peux filmer enfin, je dis filmer parce qu'on parlait de Truffaut, etc. Mais, ou d'écrire le rapport au travail, et plus, même plus largement à la société, au monde. Dans lequel l'histoire s'inscrit, en fait. Enfin, quel que soit le milieu social, et bon Dieu, même heureusement, parce que sinon, bah, ce serait très, je sais pas comment dire, très déconnecté, quoi, finalement. Enfin, Ah bah oui, voilà. Bah après, c'est vrai que on a pas on, là on parle plutôt de projet d'écriture qui s'inscrit dans un réalisme, on va dire. Ouais, Là, on n'a pas du social, tout oui. parlé du tout Ouais, de. ou au-delà de même au-delà de ça, de la question de comment le travail peut Influer, influencer, ouais, voilà, influencer, ouais. influer, Ouais. générer des idées, des motifs, voilà, dans notre écriture, en fait. Comment est-ce que ça peut la nourrir? Je parlais des problèmes vécus par les personnes. Ouais, c'est ça. Je rebondissais sur le fait qu'on voyait des personnes qui venaient surtout d'un même milieu. Des personnages qui venaient surtout d'un même milieu. Et cela dit, c'est intéressant parce que je trouve qu'effectivement, le problème ou la souffrance, c'est souvent c'est ce qui va générer une intrigue en fait. En tout cas, c'est facile. Ça, c'est vraiment le premier truc qui, à mon avis, enfin, moi, l'intrigue de ma première histoire, elle passe par là, par un problème, une catastrophe même. Mais du coup, de plus en plus, j'ai envie effectivement de voir peut-être de parler d'autres choses, d'essayer de créer une intrigue aussi à travers autre chose que ah, l'humanité, dis donc, elle s'en sort jamais quoi. Hein, on fait toujours des erreurs. Par exemple, une série qui m'énerve, tu vois, c'est Breaking Bad. Tout le monde adore, ok, je suis désolé, je vais me faire bâcher. Mais en fait, elle m'énerve parce que je trouve que dans les premières saisons, alors du coup, ça m'est tombé des mains, mais peut-être que la suite c'est mieux. Mais le personnage, enfin, le protagoniste, il fait toujours la même erreur, c'est de ne pas savoir mentir à sa femme. Alors c'est tout bête, tu vois, mais c'est tout le temps la même scène qui se passe. Elle arrive, elle lui pose des questions, il fait la gueule. Pendant, tu vois, et ça fait monter la tension. Je sais plus, elle se dispute et tout, et donc du coup, ça fait qu'il se retrouve encore plus dans la merde. Alors, et ça, il l'a fait genre il y a 2-3 épisodes avant. Tout ça pour dire que écrire que sur les erreurs ou que sur les problèmes, je me dis, est-ce que c'est pas aussi condamner l'humanité quelque part à se voir elle-même comme un peu naze, tu sais, un peu des branques, comme dans Kaamelott, tu vois, où les gens sont un peu ouais. des. Tu vois, et genre, ouais, je t'avoue, là, j'ai de plus en plus envie, là, pour mon deuxième projet, justement, de parler de héros, de nouveau. Mais réaliste, attention. Pas réaliste au sens rationnellement, qui peuvent exister. Oui, qui s'inscrivent dans ce monde-là, dans cette Ouais. réalité-là. Où le problème devient une solution.
tu vois, et où on est moins dans le... Ouais. Donc après, voilà, est-ce que ça va changer le roman en tuto? Non, je pense pas, je vais essayer de faire en sorte que ce soit pas le cas, ouais. Mais... Ouais, ouais. Après, je sais pas, on pourrait peut-être citer Pagnol, où, bon, bah, finalement, il se passe pas grand-chose de dramatique, quoi, mais c'est quand même une ode à la nature, tout ça. Oui, tout dépend ce que tu mets sous le mot drame. Oui, oui, voilà, oui, oui. C'est quoi? C'est le drame de la vie, quoi. Ouais, ouais, ouais. Oui, oui. C'est... Mais j'ai dit que j'ai pas l'impression drame de... du temps, ouais. De... C'est ça. La ouais, vie ouais. Humaine. C'est la chanson de Léo Ferré, quoi. Avec le temps, va tout ça. Avec le temps, ouais. Bref. Ça crevait. Ah oui, oui. La chanson... La fin est terrible. La chanson... Protox qui nous dit que la créativité est alimentée par différentes choses. Ouais. L'écriture est une activité solitaire. Souvent, la solitude est issue d'une période difficile, mais pas nécessairement. Bah, la solitude par rapport à l'écriture, on en parlait tout à l'heure, c'est qu'effectivement, elle est nécessaire. Mais l'écriture, c'est, enfin, l'écrivain, pardon, c'est celui ouais, qui a effectivement aussi. Il a un pied dans ses trucs, dans son écriture, et enfin un pied en lui-même quoi, et un pied dans le monde quoi, dans le vivant. Après, ouais. Mais moi, c'est comme ça que je le pense. Plutôt ouais, la solitude, mais pour la réécriture. C'est le premier jet, ça serait plutôt dans le et voilà, et la réécriture, bah de la solitude pour la réécriture, et après bah pour l'art et réécriture, mais aussi voilà de la communication à un moment, bah même quand il y a la réécriture et qu'il y a eu quelque chose de finalisé, bah voilà, c'est de demander l'avis un peu des comment on appelle ça, les bêta lecteurs, et ensuite voilà, et ensuite bah de replonger dans cette solitude, ouais, ouais, surtout pour la relecture, c'est mieux la réécriture plutôt. Mm-hmm. Mais c'est vrai qu'après réécrire, ça prend du temps aussi. Oui, ouais, et puis c'est dur, hein, c'est dur. Moi, ouais, ça ouais. Me fait pas penser à... C'est... Genre, tu vois, le premier jet, t'es un peu dans une forêt, je sais pas, ou une jungle, tu vois, t'as ouais. Des lianes et tout, tu dois sauter sur c'est des trucs, mais t'as un truc grisant, quoi, tu vois. Ouais, 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 et vrai. Après, la réécriture, t'arrives et t'as une sorte de putain de désert, tu vois. Ah ouais. Ouais, une sorte de traversée comme ça, où c'est beaucoup plus sec, je dirais. Et ouais, l'élan est pas le même, t'as une sorte de... Pas de pesanteur, mais un truc un peu lourd, ne serait-ce que parce que t'as la masse entre les mains. Et faut avancer. Ouais, un truc un peu plus aride, quoi. Ouais. C'est drôle parce que je ressens exactement la même chose que toi, mais j'inverserais les pôles positifs et négatifs. C'est-à-dire qu'en fait, bah, l'invention... Donc c'est bien une jungle, hein. Une jungle en fait, moi j'ai pas tous les vaccins ou tu vois, voilà. Donc j'ai tellement peur de chaque ligne en fait, me disant mais en fait chaque fois que j'écris un truc, en fait ça va avoir des conséquences énormes en fait. Derrière j'ai le désert, putain. Ah non, parce que le désert, moi je suis confortable, le truc okay. Il est déjà là et je vais sculpter, tu vois. Ouais. Je suis là, je dis oh bah je sculpte, ah bah de toute façon je peux revenir dessus, tout est déjà là. Toi t'as travaillé avec un plan. Hein? Parce que tu as travaillé avec un plan. Tu travailles, tu sais déjà ce qui va arriver ou pas? Alors oui, c'est un plan flexible. Mais oui, j'ai un plan. D'accord. Ouais, donc il n'y a plus la découverte de ce qui va devenir et compagnie. Bah, c'est-à-dire que, alors même avec le plan, il y a. Parfois, tu sais, ton personnage, en fait, quand t'en crées un, bah, il y a des règles de fonctionnement avec, il y a ses mécanismes. Oui. Et parfois, c'est lui qui t'embarque. Oui. Le salaud. Et non, pas là, c'est cool. Oui, oui, voilà, c'est ça. Mais et là, tu fais. Déjà, tu changes tes plans, du coup, et bah, évidemment. Et, donc, tu vois, c'est là où, en fait. Donc, effectivement, je suis d'accord que c'est grisant, c'est excitant et tout. Mais en fait, mais j'ai peur parfois. Je me dis, oh là là, ah, si tu fais cette phrase, tu pourras plus jamais revenir en arrière. Mais tu pourtant, vois. Tu sais que la réécriture, ensuite, t'apporte du plaisir. Vu que tu disais, moi, j'aime bien. Et bah oui, parce que la réécriture, moi, je me sens en contrôle. Ouais. Voilà, et même j'y vais avec tout mon orgueil, je veux que ça soit beau, je veux que ça soit de la musique, ouais. J'ai des critères précis, je me dis, ouais. Ah bah, de toute façon, je vais relire la phrase, si ça sonne pas, c'est qu'elle est mauvaise, il n'y a pas de problème, tu vois, ah bah tiens, là, le mot, ah tiens, il y a un pléonasme, bon bah, on va enlever le pléonasme, tu vois, tout bêtement, donc tu vois, là, je me sens en contrôle, l'intrigue, putain, pardon, mais ouais, non, c'est là où l'aventure, est... alors, encore une fois, c'est excitant, mais... Mmh. Ouais. Ah ouais. Ouais.
Moi, ça me fait peur. Oui, bah, après, c'est vrai que c'est quand même tout le livre qui se construit avec l'intrigue, donc... Oui, exactement. C'est prendre des risques aussi. Oui, parce que tu as l'étape du plan et l'étape du premier jet. C'est encore différent entre bâtir son plan, sa trame, et après se lancer dans l'écriture. Ouais. Enfin, les deux peuvent coexister. Hein. Enfin, les paysagistes, là, par exemple. Moi, je suis un peu plus dans cette veine-là. C'est-à-dire que les deux vont s'influencer, en fait, pendant la première période d'écriture. Et toi ? Moi, la jungle, le désert. Non, mais moi je préfère juste la réécriture. Bah, ça fait, je crois, 3 ans que je réécris. Mm-hmm. C'est oui. Génial. Mais non, c'est 3 ans, ou alors je réécris, mais à côté je crée aussi, où je me donne 2-3 mois pour faire un premier jet, ouais. Compagnie. Et après, il y a aussi le truc où je vais prendre juste toutes les chutes ou tous les passages que j'aime bien, qui me tiennent à cœur. Des fois, je vais le reprendre pour le recaser sur le projet en cours. Mais sinon non, je suis vachement plus heureux. Alors des fois ça me manque le côté un peu d'aventure du premier jet, en me disant j'ai une idée dans la tête, je sais à peu près où ça va aller, mais j'ai juste une page sur mon portable de notes, mais la réécriture c'est on sait où on va, et après on a un moment, on n'a pas peur de dégager ce qu'il y a en trop, et compagnie, donc voilà. Juste au moment où on en a marre aussi de réécrire, donc c'est là où il faut juste arrêter de se dire soit c'est fini, soit c'est pas fini, se dire qu'est-ce que je fais avec, et réfléchir, ou alors laisser passer un peu de temps aussi, quoi. Parce que c'est vrai que des fois, là, je lisais, j'avais fait lire à quelques éditeurs un truc, et je me disais, un an après, c'est juste, je me dis, on m'a fait tel retour, j'ai dit, c'est vrai que je peux le comprendre. Alors après, moi, j'ai un peu, en disant, c'est bon, ça va passer, c'est cool. Et en fin de compte, on dit, il manque aussi peut-être un fil narratif. Je dis, fil narratif, c'est abusé, quoi. Et après juste un an, je me dis, j'y pensais pas forcément. J'ai écrit 2 trucs entre deux. Et je me disais, on va réfléchir au fil narratif. Et on dit, c'est peut-être une idée qui est. Des idées, quoi. Et donc, retravailler là-dessus pendant un mois et demi, c'est cool aussi. Voilà. Et ça réinvente le projet. De toute façon, c'est juste aussi. La réécriture, des fois, ça peut être juste aussi tout mettre à sac un projet et se dire le premier, marée haute, c'était juste ça. C'était le personnage secondaire, il devient le personnage principal. Le personnage principal, il dit et compagnie. C'était un truc qui faisait, je crois, 50 000 mots, ça en faisait plus que 34 000, il me semble. Donc c'était vachement aussi. Et c'était coupe, quoi. Donc juste des scènes, on me disait il faut des scènes. Donc voilà. Cool, Protox, si ça t'intéresse. C'est chouette. Tu nous dis que toi, quand j'écris chaque phrase que j'écris, me ferme des portes et m'en ouvre une autre. Okay. Chaque phrase que tu écris ferme des portes et t'en ouvre d'autres. Est-ce que c'est mieux de travailler avec un plan? Et Shadoniste te répond, ça dépend. Ça dépend. De toute façon, après, c'est toujours, c'est casse-pied quand c'est où on va. On sait où on va, il n'y a plus de découverte. Le plan, il permet effectivement il rassure, il permet de savoir où on va. Après, je trouve que ça dépend beaucoup quand même de ton profil d'écrivain, mais sachant qu'il peut changer, et aussi du projet, parce que y a des projets où le plan est indispensable, il y en a d'autres où le plan va se construire peut-être progressivement au fur et à mesure justement que tu avances, parce que dans l'écriture tu vas trouver ton propos, ta vision, ce que tu as envie d'y amener. Donc je sais pas, tu travailles sur quoi en ce moment? Parce que si c'est une question que tu te poses, c'est parce que tu as l'impression de ne pas avancer, ou... Dis-nous en plus. Est-ce que vous avez envie de rajouter quelque chose? Je te sentais... Parce que du coup, j'avais l'impression que tout à l'heure, on avait une autre question où tu avais eu une réponse assez pragmatique, faire ce qui marche, en fait. Oui. Peut-être que... Oui, mais après, il faut faire ce qui marche. Après... Faut essayer, c'est vrai. Donc, par exemple, t'as envie d'écrire quelque chose sur une intrigue et tout, puis vraiment, quand t'as essayé de faire ta séance d'écriture, il y a rien qui est sorti, peut-être que si tu te brainstormes un petit peu et puis que tu décides de prendre ton tableau Velleda et puis de mettre des éléments et tout, peut-être qu'en fait, ça sera un moment ne serait-ce qu'amusant, auquel tu n'es pas obligé d'ailleurs de tenir à la fin, en fait. Oui. C'est juste
une ébauche qui te met dans le bain, quoi. Donc en fait, tout, pour moi, tous les moyens sont bons. Oui, en fait. Exactement. De faire que ça avance, de faire que tu t'amuses dans ton truc. Donc ouais. Mais bon, après, je sais qu'il y a des auteurs, par exemple, comme comment il s'appelle, Butor, par exemple, la modification, ouais. Bah, c'était rigoureusement planifié, mais parce que ça servait un propos aussi. Il fallait que ça soit comme ça. Pour ce roman-là. Ouais, ça thèse, dépend ouais. Beaucoup de la démarche de. Ouais, c'est ce que tu disais au tout début. Enfin, vraiment, hein, moi, je suis sur deux projets différents. J'ai pas la même démarche. Il y en a un, j'avance. Enfin, ça se construit vraiment au fur et à mesure de l'écriture. L'autre est bien plus cadré. Voilà. C'est pas les mêmes besoins en fait dans les deux. Et Matt, tu nous dis que des fois, il suffit de faire division. Pour y voir plus clair. Ah oui, mais je le disais aussi, une division. Pour y voir plus clair dans ses idées. Balade, douche, dessin, sandwich au fromage. Oui, aussi, bah, c'est ce dont on parlait tout à l'heure. En fait, bah, c'est Quentin, notamment, tu disais, moi aussi, j'ai la tête dans l'écriture, que dans l'écriture. Enfin, oui, j'aime bien avoir des temps, justement. Oui, oui, après, il faut les prendre. Oui. Oui. Autre. Ouais. Ouais. Autre. S'échapper un peu. Il y a une suite ou faut enfin genre on a à peu près tout traité déjà. Ouais, on a à peu près tout traité. Protox, pour ne rien vous cacher, je débute dans l'écriture, j'ai achevé mon premier chapitre. Passionné de lecture depuis jeune et bercé par Tolkien, Botero et Eric Lom, Andrei Sapkowski, je ne dis pas bien du tout, je pense, j'ai eu envie à mon tour de créer mon propre univers de fantasy médiévale. Et c'est top. Et du coup, c'est pour créer cet univers-là, tu te dis, ce serait pas mal de passer par le plan. Bah oui. Bah, là, en l'occurrence, ça peut se justifier d'un point de vue technique, où on dit que... Ouais, ouais, Chadonis, t'as raison. Demain, Mathieu, 14h, fait son live world building. Ouais, vas-y. Il sera de très bons conseils, je pense. Mais alors après, effectivement, qu'est-ce qu'on entend par plan? Est-ce que c'est pour le follow. Ce qu'on appelle les éléments de la diégèse, donc c'est de l'univers. Donc juste, ça existe, c'est là, on va parler de ça. Donc les thèmes, les personnages, tu vois, c'est de l'ordre du plan parce que tu poses des éléments en dehors du texte, qui vont composer le texte, mais c'est pas un plan... Non. Voilà. Oui. Mais là, je pense que c'était plutôt ce que tu disais, j'ai fini mon premier chapitre, j'ai l'impression que c'est plus le plan pour avancer dans l'écriture plutôt que l'univers. Mais vu que les deux... le fait d'avancer dans ton univers va aussi te permettre de nourrir peut-être aussi ton écrit, en fait. Mais vous arriveriez, à faire quelque chose de très... j'ai cité le contre-exemple Butor, mais, ouais. Mais à dire, dans le plan, il y a tel personnage, il va faire ci, ça, ça, puis ensuite, ça va aboutir au chapitre 2, où il va se passer ça, 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 et juste, t'écris la scène. Vous pensez que c'est faisable ou... Parce que moi, j'ai l'impression que... C'est juste un peu comme dans les séries et compagnie, comment ils la construisent. Mais après, ça, c'est le côté plutôt commercial. Mm-hmm. Parce que moi, j'ai l'impression que la spontanéité est vachement importante. Quoi. Mm. Ce que j'ai vécu dans la journée va souvent imprégner mon écriture. Là, je me dis, il m'est arrivé telle anecdote. Je m'en bats les steaks, ça va être dans cette scène. Ça va être... c'est parce que aussi, je trouve que ça m'a marqué et que j'ai envie. Et souvent, je trouve que ça donne de la vie à l'écriture. Ouais, carrément. Mais c'est Protox qui nous dit un plan, c'est pas un frein à la créativité. Je pense que ça peut être à la fois un moteur, si effectivement tu vois t'as besoin d'un cadre et que ça te permet ensuite de te projeter vers d'autres idées aussi de scènes, de passages pour avancer, genre que ça va venir nourrir en fait l'ensemble de l'écrit, et ça peut être un frein si tu ne te laisses peut-être plus la place. La marge de liberté, oui. Ouais, c'est ça, exactement. Ah oui, non, ça peut être un catalyseur de créativité. Et puis, après, voilà, ça dépend. Mais après, c'est vrai que c'est le type de littérature aussi, le fantasy et compagnie, c'est pas la même chose que tout ce qui est roman contemporain
Bah, comme tu disais, classique tout à l'heure. Ouais. Ou roman, alors pas thème, sur la société, sur le monde du travail et compagnie, c'est pas la même. Pour ça, ou voir au niveau, je sais plus, il y avait une Bible, comment construire, c'est des Bibles de scénarios. Ouais. Ou les scénarios. Il doit y avoir un truc comme ça, je trouve qu'on avait vu passer ça en master création littéraire. Bah, t'as. Oui, bah, comment la construction des personnages. T'as l'anatomie comment... du scénario. Voilà, ouais. L'anatomie, un Trouby, peu, voilà, le squelette, ouais. Ouais. Ça doit être intéressant. Et c'est vrai que c'est le genre de truc où je me dis, bah tiens, il faut vraiment que j'écrive un livre en suivant cette méthode, ouais. Entre guillemets. J'ai jamais réussi, jamais eu la curiosité d'aller jusque-là. Jusque-là. Et bien, t'as un article écrit par Mathieu, un des streamers, sur le site du Lufthanger. Mais après, ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire que tous les moyens sont bons, en fait, du temps que ça marche, et qu'effectivement, il y a la question du test, de se frotter à un truc, et puis à un autre si ça marche pas. Et si tu sens que voilà, le plan, c'est un truc que t'as jamais testé, tu te dis, bah, pourquoi pas, ça pourrait peut-être me faire avancer. Vas-y, commence ton plan. Puis si à un moment donné, tu sens que bah, ça te freine dans l'écriture et que tu n'y arrives plus. Et puis, j'ai envie de rajouter, pour être, enfin, aller encore plus dans le détail, quand tu fais ton plan, même si tu ne sais pas s'il va te servir, fais-le à fond comme si tu allais le suivre à mort, être le plus sérieux possible, je pense. Hein. Enfin, moi, c'est quand je fais ça, parce que ça m'arrive du coup de planifier un peu, bah ouais, non, dans ma tête, ça va être comme ça, comme ça, comme ça. Et en fait, comme bah, notre conscience évolue au fur et à mesure bah, du temps, etc., bah, tu décides de faire des compromis, ou alors même d'abandonner complètement certains aspects, parce que tu dis, bon non, là, c'est, vu ce que j'ai écrit avant, ouais. ça tient plus et tout. Mais je pense qu'il faut toujours être presque trop à fond à chaque fois qu'on essaye. Ouais. Parce qu'après, comme tu l'as dit tout à l'heure, tu peux enlever. C'est plus facile d'enlever, je pense. Enfin, c'est plus facile. Je sais pas si c'est plus facile. Ouais, mais... faut garder une version aussi. Au cas où, tu gardes une version. Ouais, mais en tout cas, il faut qu'il y ait de la matière. Il faut qu'elle arrive, cette matière. Et ça, c'est la première étape. Donc ouais, comme tu disais, il faut qu'elle arrive. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il faut pas la faire par-dessus la jambe en se disant ouais, je vais faire un peu un plan. Pour un peu essayer de voir et tu vois. Non, bah, oui. Non, parce que tu n'arriveras pas au bout du truc et tu ne verras pas ce que ça donnera. Et pour tenter un truc, enfin autre chose, différent, il faut avoir vu ce que ça donnait concrètement. Est-ce que ça colle ou est-ce que ça ne colle pas Mais oui, je suis d'accord. Quitte à être un peu déçu de se dire oh, bah, ça ne va pas où je veux, etc. Mais ça, à chaque fois, je m'en réfère à monsieur Hemingway. Tout premier jet de quelque chose, c'est de la merde. Donc voilà, à partir de là, on est tous d'accord. Et on est tous au même, en fait, on est tous au même niveau là-dessus. Ouais. Only first draft is shit. Je ne sais pas comment il dit. C'est... Ouais. Ta-dum. Est-ce que vous avez d'autres... Non, pas du tout. Ah ouais, des milliards, mais... Vas-y. Moi, j'ai dans le canapé. On t'invitera pour des apéros littéraires. Oui, bah oui. Promis. Moi, content. Moi, avoir été à côté des cacahuètes tout le long en plus, donc j'étais... Ravi. Ah oui. Est-ce qu'il y a des questions encore dans le chat ou... le roman de Quentin, donc Marie-Haute, je vous ai mis la référence dans le chat. 90 centimes sur Prime Minister. En grand format. C'est vrai. Fais ton sourire. Le sourire. Et sinon, donc demain, comme on le disait, il y aura un live world building avec Mathieu, la cool shadowlist. Cool, si t'as passé un moment, c'est chouette. Et la semaine prochaine, bah, on reprend les rushs d'écriture, donc 8h mardi matin avec Nicolas, 14h le mercredi avec Mathieu, moi 10h le vendredi. Il y aura encore un live bêta lecture avec Nicolas aussi jeudi soir prochain. Et samedi, donc on vous donne rendez-vous pour certainement un dernier apéro littéraire avant les vacances de Noël. Enfin, on va certainement prendre une période où il n'y aura peut-être pas de live. On vous en dira plus samedi prochain. Et cool, Protox. Bah, écoute, avec grand plaisir. Et merci pour ton follow. Merci beaucoup. Voilà. Bah, on n'a plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée. Un grand merci pour tout. Merci à vous d'être venu.
Bah, merci de nous avoir invités. Moi, j'étais chouette. Trop content. Ouais. Bah, j'ai déjà dit, donc. C'est bien partagé. C'est l'exaltation, hein, c'est comme ça. Eh bah, tout le monde est content. On peut le dire ou pas ? Vive la France. Si tu le souhaites, écoute, non, ouais. C'est ton moment. On va éviter. Maintenant, on est tous amis. Voilà. On va vous mettre l'écran de fin. Bonne soirée à vous. Ciao, bonne soirée. Merci.